It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Un humain, un animal, ce que tu veux, hein. C'est un être vivant, frère. Il a une conscience. Surtout les chiens, en plus, ils ont vachement de conscience et tout. Il s'est fait saisir ses animaux, voilà, tant mieux, il va prendre une amende ou de la prison, j'en sais rien, bref, voilà. Mais en fait, ce qui est con, c'est que ce mec ne s'en est pas voulu instant. En fait, c'est ça qui me... Mitch. Ouais. Mitch, t'as pas reçu du courrier il y a pas longtemps? Si, peut-être, je sais pas, je peux regarder là encore. Eh, t'as vu, je vois que tu fucked up et que tu comprends pas la dose, tu vois. C'est pour ça que Youngtalent, il a un message à te faire passer, enfoiré. Tiens, oh. Fils de pute. Oh. Aïe. Oh, les bâtards. Oh lolo. Mais attends, mais... Oh, mais en plus, je leur ai parlé comme si c'était... comme si je savais c'était qui. Ouais, je suis trop con. Oh. Je leur ai parlé comme si je savais c'était qui. Parce que du coup, je sais pas c'est qui. Ils étaient gagoulés, non? J'ai passé toute la night à compter mon oseille. N'importe où cette life. Oh là là, pourquoi ils me disent tous de les TP au quartier, frère? Ça y est, wesh. Aïe. J'ai passé toute la nuit à compter mon oseille. Ça va? Oh putain de merde. Ouais, c'est derrière là, y'a le mec qui se fait tirer dessus. Oh putain, les fils de pute. Ouais. Aïe, viens me chercher s'il te plaît là, je me suis fait tirer dessus. Tu t'es fait tirer dessus, t'es où? Aïe, aïe. Ouais, j'étais arrivé. Attends, je t'en vais là. Ouais, mais t'es où? Je t'en vais là. Vas-y. Aïe. Tout seul. Ça va? Ah putain, les fils de pute, je sais pas c'est qui, mais je vais leur baiser leur mère. Faut de l'élire. Moi, c'est lui, il s'est fait tirer dessus, je crois. Vas-y, viens, on l'emmène à l'hôpital. Ouais, j'ai fait tirer dessus. Ouais, mon gars, ça va? Ouais, ça va, tranquille. T'es qui toi? Jamais vu ici, moi. Je suis un 50 boys. Ah, les mecs du Bronx là? Ouais. C'est passé quoi, mon gars? Tu fais quoi ici tout seul? J'en sais rien. Mais t'as fait grimper, on l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous tapez la discute là? Vas-y, fais-le monter. Vas-y. Vas-y, grimpe là. Eh, tâche mon siège, t'encule. Ah ouais, bah là, ça va être compliqué, hein. T'as pas un torchon ou un truc? Je sais pas, cherche à l'arrière, il doit y avoir un. T'es fait tirer dessus, c'est basé quoi? Je sais pas, j'étais tranquille là, je me baladais, je sortais de chez un collègue là qui habite là. Et je sais pas, une voiture qui m'attend devant, mec cagoule.
Ok. Merci Elysion, merci pour ton troisième mois. Je sens plus rien. Non, je sens rien là. Ok. Alors, je vais tout débrider. D'ailleurs, les mecs, courant septembre, il est possible que y ait des OP. Hein. Pas vous mentir, les gars. Bien, en tout cas, ça fait plaisir. Eh ouais, ça fait plaisir, hein, putain. La soirée va être longue, hein, je te le dis. Un gros molosse comme toi, là, une balle et ça y est. Tu peux pas l'arrêter avec tes gros muscles. J'aurais bien aimé, hein, mais là, ils ont pas dopé, ces salopes. Quand vous ouvrez la MJC dans votre quartier, on va essayer de changer de sujet. Bah là, les travaux ils sont finis, c'est juste une histoire de gouvernement. Et vous comptez faire quoi dedans? À part du billard? Activité pour les jeunes, des cours, des trucs comme ça. Problème, c'est que on est. Faut pas mentir, hein. C'est plus pour le business aussi qu'on fait ça. Le business? Bah ouais, pour faire des soirées et tout ça, pour que ça ramène de l'oseille au quartier. Hein. Je pense toujours comme ça, hein, malheureusement. Ah c'est bah bien, oui, c'est bien pour les petits, mais bon, est-ce qu'il y a des gens qui vont contribuer, ça, j'en sais rien. Tu vas faire ça ce soir? T'as vu, y a plein de mecs qui sont chéris, ils ont des entreprises, tout ça, ils te font des dons, ils te font jamais de dons pour ta MJC. Hein. C'est toujours les plus riches, les plus radins, de toute façon. Réel. C'est comme ça. You know. Les OP ça dérange vraiment pas. Vous faites plus de OP non plus, ça fait longtemps que je suis pas passé dans ton quartier. Ouais, bah là on essaie. Là on a essayé de faire un temps calme niveau soirée parce que. On en a fait plusieurs d'affilée et vas-y, au bout d'un moment il y avait plus grand monde. Donc, on va essayer de créer un manque, tu vois, comme ça dès qu'il y en a une, les gens ils seront contents d'en revoir. Oh, c'est juste hyper tiré dessus. Bah là je pense que ça commence à se faire ressentir le manque, s'il te plaît. Ouais. T'inquiète. Le problème, c'est que vous êtes les seuls à en faire aussi, du coup, c'est un peu chiant. Ouais, je sais bien, mais en plus, le problème, c'est qu'on a des mauvais timings à chaque fois. Dès qu'on veut en faire, il y a un bar ou une boîte qui ouvre. Bah, je t'assure que ces derniers temps, on s'est vraiment bien chiant. Vas-y, bah, on va en faire, t'inquiète pas. Ok, je vais te recoudre. Et ensuite c'est, je te mettrai un petit pansement. Faudra juste que tu repasses demain pour vérifier les sujets. Demain ou après-demain. Ça marche. Vas-y, bah je repasserai. Comme tu préfères. Ok. Bon, t'as eu de la chance, c'est pas rentré profond donc ça a pas trop touché le muscle. Ça se trouve, il était chez une bêtière et il rentre au bout. Du coup, t'as eu de la chance, tu vas boiter un petit peu ce soir, mais ça devrait aller d'ici une petite heure ou deux heures. Tu vas le sentir, ça va te tirer un peu dans la jambe, mais c'est normal. Qui ça? Ok. Les trinés? Ah, vas-y. Ok, ouais. C'est bon. Attends, je vais te mettre sur le brancard parce que tu peux pas encore marcher avec ta jambe. Ouais, peut-être. Qui ça? Mitch, dépêche-toi là, ouais, Mitch, ouais. Il est pas mort, lui, tu peux te lever, Mitch. Je sais même pas. Mitch, ok, attends, je vais te mettre sur le brancard. Ouais, Mitch, ouais. Ta jambe, elle est endormie, c'est pour ça que tu la sens pas, t'inquiète, c'est rien. Poussez-vous, je passe avec le brancard, je vais te défoncer, 50, si tu. Pousse-toi de la porte. Vas-y, arrête de m'énerver, toi, déjà, tu me casses les couilles quand je t'entends. Non, je passe avec un brancard et toi tu restes devant et tu tapes dans la porte. Elle est en train de soigner notre boy, tu l'embrouilles, t'abuses, fils. Non, elle ça compte pas, elle me casse les couilles. Elle m'a mis une seringue dans la jambe, je peux plus marcher pendant tout le temps. Ok, vas-y, attends, je t'allonge. Ça va, toi, c'est une paire de godasses. On était parti vendre et tout, on est là. Je sais quoi, j'ai pris des chaussures. Hein. Des chocs. Elles étaient en promotion. Ah, c'est pour ça. Pour ressortir avec le même maillot de basket que t'as. Ok. Tu laisses rentrer tes gars? Laisse juste 50 Majestic rentrer. Ok. 50, il est chaud. Moi je peux y aller? Let's go, let's go. Ah, 50 il est grave chaud. Let's go, j'ai le droit, j'ai quoi, let's go. Il est comme une crêpe. C'est ça, demande pas la mienne, désolé.
Yo man. La vie de ma mère, je vous dis, commence à évacuer le quartier parce que la vie de ma mère, je vais faire un meurtre. Si t'es arrivé, toi. Quoi? J'ai pas entendu, hein, vous inquiétez pas. T'as dit quoi du coup? Je vais. Attends que je sorte. Eh, ça mérote, c'est marrant, t'as les yeux tout blancs. T'as mal quand j'appuie là ou quoi? Attends, dis-moi, t'as mangé la pizza avec quoi? Ok. Et du coup, c'est passé quoi? Quand t'as quoi la jambe? Je me suis fait tirer dessus. Comment ça, je préfère la gros, tu veux t'énerver dans le quartier? Parce que je vais vous expliquer. T'inquiète pas, on va rentrer au quartier, je vais tout vous expliquer. Mais moi, je pense, ça va plus vite. Vas-y, ben mettez-moi dans une voiture là. C'est de la pâte à pizza. Ah, on attend l'avis du docteur. Docteur, on peut le sortir ou pas là? Ouais, Charlie, fais ton taf là, dépêche-toi là. Mais putain, boy, eh, c'est Charlie, il faut. Eh, t'as vu, je respecte tous les docteurs sur Charlie. La dernière fois, t'as vu quand tu m'as piqué la jambe la dernière fois? Je peux plus marcher pendant 2 jours. Je parle pas avec lui, il pourra sortir à. Là. À 22h14, dans 5 minutes, il pourra sortir. Je le sors maintenant, qui va dire quoi? Je le sors maintenant, qui va dire quoi? Non, pas merci, je te remercie pas. Vas-y, fais la snitch. Vas-y, fais la snitch, t'as vu? Je t'attraper par les cheveux. Elle extincteur, coup de tête dans l'extincteur. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis bien sympa avec toi, mais commence pas à me chauffer, t'as compris? Oh non, putain, j'ai une question par Charlie, comment je vais dormir ce soir? C'est bon, on y va là? J'espère que tu vas mal dormir avec ta dégaine. Non, t'y vas pas. À 22h14, tu sors pas avant. C'est bon. Et je vais aller à 22h13 et 45 secondes, tu vas rien faire. Tu vas me dire quoi? C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Qui va me dire quoi? Qui va me dire quoi maintenant? Moi, je t'emmerde 2 fois. Qui va me dire quoi maintenant? Moi, je t'emmerde 3 fois. Bah, moi, 4. Moi, 4 fois. Voilà, j'ai gagné. Tiens, je te marche sur ton pied là où t'as mal. Aïe, mais toi, t'es malade, toi. Je te vois, moi, je te pousse. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, moi. Médecin, pas médecin. Et alors? C'est pas une doc, elle m'a drogué, Je suis sympa, elle m'a drogué. Putain, mais t'es chiant, fuck ya, Babylon Boy. Enculé, on sait très bien qui c'est qui se fait enculer ici, je te le dis tout de suite moi. Ouais, t'es. Bah, tu sais quoi, tu me fais un doigt, bah, moi je te fais un bras, voilà, bam, on a fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as fait ton chignon là. Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ah, c'est elle aussi, donc ça va. Vas-y, Amish, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé, mon ref? Je vais t'expliquer après, je t'explique après. Je suis grave impatient de savoir, mon ref. T'as l'air énervé. T'inquiète pas, tu vas bien comprendre, et moi je suis bien impatient de tuer celui qui m'a fait ça. Non, mais c'est pas au quartier que tu vas trouver, hein. Ouais. J'ai du mal à comprendre là. Parce qu'au quartier, ouais. Au quartier, tu vas trouver que des tiges qui sont là pour toi. T'as vu, j'aurais espéré que Rich soit pas là. Putain, alors pourquoi tu te fais tirer dessus, toi? Salut, y'a tous tes gars qui veulent rentrer, c'est pitié, je peux les laisser rentrer parce qu'ils font. Non, tu les laisses pas rentrer, fais ton travail de médecin, s'il te plaît. Je suis médecin, pas garde du corps. Eh ben, tu vas faire médecin, garde du corps. C'est moi sorti. Je vais m'en occuper. Non, il est pas 22h14. Non, il est pas 22h14, tu dois. Allez hop, je suis devant, let's go. Ils vont porter, ils vont mettre dans la voiture. Non, c'est toi le médecin ou c'est moi le médecin? Putain, j'en ai marre. Ah ouais, tu peux dire putain comme tu veux. Écoute, ouais, écoute le doc un peu, espèce d'enfoiré. Ouais, voilà, écoute ton frère, toi. Bien, merci, Rich. Moi, toi, t'es sympa, pas comme Rich, quand je vais t'expliquer ce qui s'est passé là, vis de ma mère, tu vas devenir fou. C'est passé quoi? Dis-moi tout de suite. Je vais leur expliquer après. Arrêtez de gueuler dehors là. Viens. Je te le dis à toi, dis-le pas encore aux autres, mais c'est un mec du quartier qui m'a tiré dessus. La vie de ma mère, je vais les éteindre. La tête de ma mère, je vais les éteindre. Arrête de jump. C'est trop marrant ça. Qu'est-ce que c'est pas, vous êtes vraiment des cons. Dose sur le rire. Ouais, dose, c'est pas très marrant. Je suis en train de rêver là, c'est quoi le délire? Pourquoi? Comment ça, un mec de chez moi? J'en sais rien, c'est on qui, arrête le grabuge là à l'extérieur. Tu peux dire quelque chose Eh Marie, s'il te plaît, fous pas la merde cette fois-ci. Oui, ça va, mais. Eh, viens faire un bisou à Bitch. Viens. T'as vu faire un bisou à Bitch, Marie. Moi aussi, j'ai des combattus. Bitch, t'es dans un état, je crois que ça va pas bien. Tu as des combattus, Marie? Regarde comment il est ton frère, il est dans un état. Pourquoi c'est ton pote? Il est relou. Il est lourd. Non, j'en c'est pour ça. Non, il est méchant, il est lourd, il veut que baiser, il est bizarre. Oui. Je vais fumer dehors. Bah tiens, Rich. Non. Il veut un bisou magique pour ses combattants. Tu veux faire un bisou magique? Tu veux vraiment un bisou de ma part? Non, tu pas moi. Touche-moi, je vais te planter. Ah, j'ai envie de me faire. Ah, vous m'avez dégoûté des bisous, madame. Y'a un mec qui attend pour se resculter là. Y'a un mec qui attend pour se resculter là, va dehors. Il t'attend, il m'a ma parole que c'est vrai, y'a un mec qui attend pour se faire sculpter dehors. Vous avez pas de la morphine pour calmer, madame? Je sais pas pourquoi je t'ai pris, d'accord? La vie de WAM que c'est vrai. Mais écoute-moi bien, je sais pas, dans ton quartier c'est peut-être toi le chef. Ici c'est moi le chef, c'est bon? C'est compris ou c'est pas compris? Avec ta dégaine là. Ouais, vas-y, va là-bas avant je te balaye, vas-y, va là-bas. Ta grosse tête. Va là-bas, je te balaye, va là-bas.
Vas-y, toi, casse-toi, va là-bas avant que je te mette une droite là. Eh, casse-toi. Vous êtes grave mignons en fait là, tous les deux. De plus en plus, ça avance bien. Il y a un petit truc, ouais. Je m'en bats les couilles de ta vie, ça y est, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'amour. Mais non, j'étais rien, j'ai juste pulsé le médecin. T'es bizarre toi, tu j'en veux tous les jours. Je sais pas qui c'est qui chante ça pour de vrai. Ah si, c'est l'autre là, c'est la meuf là. Oh la dinguerie. Ouah, ta tête là. Elle me contrôle. C'est bon, je peux bouger ou pas là? Il est très énervé. Ferme ta bouche, on doit faire un feat. Il est 20h14, c'est bon, on y va. T'as vite libérable. Viens frère, viens, je t'ai. Allez, viens. C'est bon, la médecin, elle va t'ausculter, mec. Ça marche. Allez, les gars, bientôt, avec plaisir. Move on. Yo man, peace and love. Pourquoi il mange vite alors qu'il est blessé? Chua, kounya maman, reviens là. Viens là, connard. Hermano. Je vais chercher la chop, Mitch. Attends. On a récupéré la Tali. Yo, Mitch, c'est passé quoi, Maïdi, yo? T'inquiète, je vais vous expliquer. Ouais, je m'inquiète carrément, cause t'auras plus d'ail, yo. God bless. Non, moi je suis vas-y, pas vas-y, on est pas maintenant. Bien vu, t'es un bon. Vas-y, attends, y'a de la neige un peu, les gars, ou c'est moi? C'est frisqué là. Pourquoi il neige? Il neige. Allez dans les shops là. Bendo, tu fais quoi? Bendo, va dans la shop là. Qu'est-ce que tu fais? On va me chercher, yo. En mode lui, il a froid. Oh le menteur. Yo. Oh le menteur, lui, il a jamais froid. C'est moi la shop qu'il a volé, Rich. La tour des shops de fou furieux. Hier, il avait une panto quand même, c'est incroyable. Il est arrivé dans un pot de yaourt. Va attends, faudra aller sur ce map. Allez, où t'as vu Falo? Dans le Queens. Mitch. Du coup, Mitch, il s'est passé quoi? T'inquiète, je vais vous expliquer après. Par contre, je te préviens, commence pas à prendre des décisions, tu vas sortir un gain ou je sais pas quoi, parle avant de faire quoi que ce soit. T'inquiète pas, va dans le Queens là à droite. Mitch. Ouais. C'est vrai, t'as des stocks de kits carrosserie, tout ça? Ça date ça, je te les ai donnés en plus à toi. Ah ouais, ouais? Parce que là, ce bâtard il m'a viré, je sais même pas pourquoi. C'est un SMM ce fils de pute. Mais bro, j'arrête pas de virer les Gacchino alors que c'est le plus actif, c'est un peu dommage. Tu veux quoi, j'allais dans le Queens quoi? Ouais, bah c'est là le Queens. Tu prends le pont? Là, tu prends le pont. Je prends le pont. Ouais, bah. Vas-y, bah je vais demander à l'habitant, il va me passer quelques stocks, hein. Et du coup, t'as pris une balle dans la jambe? Dans la hanche. C'est grave ou vite fait? Non, ça va, il m'a dit rien. Il m'a dit heureusement, il visait comme des bites. Des bites? Comme de grosses geeks, putain. Je me suis à droite. Mais attends, je comprends pas, t'as pas parlé d'automatique toi aussi? Ah si, c'est vrai, ah ouais, j'ai oublié l'histoire. Ah ouais, y'a de la concu, ah mais, oh, les petits enfoirés, je suis mort. Et y'a de la concu, hein. Et je pense pas que ce soit des habitants. Ah tout s'est commencé, ah ouais, ils étaient plus calibrés que les habitants. Les habitants ils ont que un pétard là, j'ai vu des Beretta, je crois que j'ai même vu un scorpion. Donc Scorpion. Ah non, mais c'est scorpion, quoi, c'est quoi là, c'est quoi la douille là, il se passe quoi là? Eh, moi je vous le dis, je vais buter des gens. Là j'ai envie de tous les mettre contre un mur. Redis-moi ce que t'as dit à l'hôpital là. C'est quoi, y'a quelqu'un qui t'a tiré dessus? En gros j'étais en train de vendre. Et c'est pas le seul, regarde bien, et ces petites salopes, ils mettent du courrier en anonyme. Ils mettent des lettres sans noter. Allô? Allez, fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a? La porte. T'as pas les clés? La porte. Bah non, clé. Je vais pas piéger. Je te le demande. Vas-y, prends sur moi. Attendez, parce que c'est pas ouvert. C'est quoi, anonyme? Avant tout. Bien de lâcher, sors en Gucci, pas besoin de me cracher. Tu vois pas les rediff et t'es fâché, je fais des tailles, vos seuls sont délâchés. T'as pas les clés d'ici, toi, ça m'étonne. Non, j'ai pas les clés. Et merci, Jade, pour ton dixième. Oh la dinguerie, je suis mort. Merci la famille, ça fait plaisir. Oh la dinguerie. Faut des billets de banque et des armes lourdes. Ah, moi, je te le dis, Fifchien. Là, c'est dingue, il va falloir tenir tes gants, parce que moi je rigole pas avec eux. T'es sûr que là, ce qui vient de t'arriver, c'est par rapport au message que t'as reçu? Regarde bien. Personne bouge de là où ils sont du quartier. Là, tout à l'heure, cette lettre, elle était pas dans ma boîte aux lettres hier. Donc ça veut dire que cette lettre, elle était posée dans la journée. Bon, t'as vu, dis pas mes petits, alors que si ça arrive, c'est parce que t'as merdé, tu vois. C'est parce que j'ai merdé, mais est-ce qu'ils connaissent les stocks actuels d'armes? Est-ce qu'ils savent que là déjà, l'erreur, elle est rattrapée? Parce que ces petits fils de pute. Montre-lui les possibles de ce qu'ils font. Ces petits fils de pute là, ils savent pas se tenir, ils sont venus me tirer dessus. C'est des petits du quartier qui sont venus me tirer dessus. Des habitants ou non, des non, gars pas du des habitants, des gars du ghetto, des gars de bloc. Et t'as craqué toi, comment tu sais ça? Parce que, en gros, j'étais en train de vendre
y a des mecs qui arrivent cagoulés, ils me disent ouais, t'as pas reçu une lettre dans ta boîte aux lettres. J'ai fait le rapprochement direct. Il me dit t'as pas eu une lettre dans ta boîte aux lettres, je sais pas quoi. Et je me prends une balle. Ces trous de balles, tu sais quoi, ils sont carrément cons. Ils m'auraient tiré dessus jusqu'à ce que je bétonne. J'aurais été inconscient, je m'en serais même pas souvenu. Ils m'ont tiré une balle, tu crois que j'oublie moi? La vie de ma mère, je m'en suis pris des balles dans ma vie. Hein. Ils oublient trop, j'ai 29 ans eux. Je m'en bats les couilles, je les baisse, des balles j'en ai pris. Je suis resté tout droit, debout. Maintenant ils vont voir. Oh la dinguerie. Ils disent talent, je sais pas quoi. On les fume tous un par un, on récupère des habitants. Non mais là je m'en bats les couilles, ça va être ça, moi je vais tuer des mecs. Là je vais tuer des mecs, parce que là le problème, c'est quoi Fifty? Parce que là tu vois, on peut dire aux autres, ouais c'est les Rollins, ils ont tiré sur Mitch. Venez, on fait un truc, on inventerait un truc. Ok, ça marche pour que ma crédibilité béton pas. Sauf que là, il y a des mecs qui vont savoir qu'on est en train de mentir. Parce que c'est des mecs qui sont face à nous qui l'ont fait. Donc là, le problème, c'est que peu importe ce qui se passe, si je fume pas le mec qui m'a fait ça, j'aurai jamais de crédibilité ici. Et je te le dis, moi, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans la rue. Déjà, tu dire quoi? Tu crois vraiment qu'on va laisser ce mec ou quoi? Hein, tu vois, je vais laisser ce fils de pute. Non, en fait, ce que tu attends, comprends attends, pas. Je rigole parce qu'en fait, ça me fait rigoler parce que c'était évident, ça allait finir comme ça. Et maintenant, on est là comme des cons en train de parler. Merci, Wiv, merci pour ton nerveux. T'as vu? Eh, concrètement, tu me dis, où on va le fumer, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vas mettre tout le monde contre moi, tu vas fumer tout le monde. Eh, faut déjà, faut arrêter d'être con parce que de toute manière, là, évidemment qu'on va faire un truc. Évidemment qu'on va lui baiser sa mère. Parce que quand même, tu vois, il y a quoi l'histoire de oui, parce que t'as perdu, je sais pas quoi. Eh, c'est pas à lui de se faire justice tout seul. Non mais Darius, j'ai fait ce que j'ai fait. Ok, maintenant j'ai fait ce que j'ai fait. Mais déjà là, citez-moi un petit qui a fait ce que j'ai fait ici dans le ghetto, qui a fait tout ce que j'ai fait dans le positif. C'est pas, c'est me mets, c'est me regardes même là, aucun rapport. Mais je m'en bats les couilles, ça a aucun rapport. Tu tires pas sur un mec comme ça, tu crois? Bien sûr, je tire pas. Bien sûr. C'est des couilles, c'est des petits merdes. Oui, d'accord, 50 quoi, 50 parle. C'est qui les têtes de ce quartier? Tu crois que ces petits merdeux ils vont marcher dessus à moi? Tu crois vraiment qu'ils vont faire ça, ces petits fils de pute? Mais attends, en fait, là vous êtes super marrant parce que vous vous énervez sur moi, t'as vu? Vous êtes là, vous êtes en train de péter votre crâne sur moi en mode ouais, les. Mais ouais, d'accord, maintenant, là. J'aime trop cet endroit de la map, genre. C'est bien beau, il s'est fait. C'est là où on règle tous les situations. Il fait le fou, il se rebelle, il fait des dingueries comme ça dans un quartier. Hey, on l'attrape en canne. C'est là maintenant, où tout se passe. Faut faire les choses proprement, faut trouver le mec en question. Tu vois, tu peux pas attraper tous les types, les foutre contre un mur et les canner tous, Rich. Ça marche pas comme ça. Des guignols, hein, surtout. Hey, et en fait, ils vont jamais le dire, on va passer pour des guignols. Et de deux, après, les mecs dans le quartier vont se dire, ah ouais, c'est qui a eu les couilles de faire ça et tout. Ils vont le savoir, ils vont jamais le dire. Ok, d'accord, vas-y, je te laisse finir ta théorie. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Ah, ok, d'accord. Parce que ces petites salopes, ils assumeront jamais. Mais le jour où je vais le savoir, la vie de ma mère, c'est même pas lui, je vais le tuer. Je vais buter toute sa famille, je vais buter tout le monde. Ce qui va se passer, c'est que tous un par un, je vais commencer par le petit Stax. Je vais les descendre dans cette cave, je vais les tabasser à mort, ces enculés. Je crois qu'il y en a un qui lâche. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire venir un par un. Et déjà, au lieu de vous exciter tout seul, vous êtes intelligent. Parce que là, le seul qui est au courant, tu t'es fait tirer, c'est celui qui a tiré. Ils étaient combien à tirer dessus déjà? Je sais pas, ils étaient 3 dans une voiture, je crois, à cagoulé. Ouais, bon, déjà, c'est-à-dire qu'il y en a 3, tu vois. Ils avaient quoi comme chop? Oracle. Bah, ils sont pas cons, ils ont pas pris une voiture de chez nous, ils ont volé une voiture. Le problème, c'est qu'il y a d'autres. Si j'en avais. Tu vois, en fait, ces trous de balles, ils ont fait, c'est que déjà, je me souviens de tout, parce que j'étais encore conscient. Et en plus, ils m'ont dit, ouais, t'as pas reçu une lettre dans ta boîte aux lettres, je sais pas quoi. Des trous de balles, des vrais trous du cul. Et nous, ouais, la plupart des mecs, ils sont là grâce au Floyd aussi dans le quartier. T'as vu, 50, t'as recruté une partie des mecs qui sont là. Dans tes rues du Bronx, nous il y a des mecs qu'on connaissait dans le Bronx pour former ce set. Il y en a plein, ils sont là grâce à nous. Aujourd'hui là, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont là grâce à nous et qui font ça. Alors que nous on leur a donné une chance de survivre, de nourrir leur famille, de les mettre bien, tout ça. Là aujourd'hui, il y a eu des erreurs. Non, mais de toute façon, c'était à quelle heure ça? C'était pendant que je vendais là, j'étais en train de vendre. Non mais c'était à peu près l'heure exacte. Ça peut pas être ceux qui étaient avec moi dans ma voiture. Vers 22h. Ça peut pas être ceux qui étaient avec moi dans la voiture parce que tu m'as appelé. Et ils étaient avec moi dans la voiture, on se faisait courser. Il y avait Simon, il y avait Rax et il y avait T-Roy. Donc ces trois-là, c'est impossible. Yes. C'est impossible. Après, il avait T-Roy, il n'a pas trahi. Mais c'est tout seul lui. J'étais tout seul. Mais E3 là, les trois que j'ai donné, c'est impossible. Mais c'était à peu près vers 22h. C'était à peu près vers 22h. E3, je les avais avec moi dans la voiture du début à la fin. Donc c'est impossible que ça soit eux, les trois là. Simon, En fait, le problème, c'est pourquoi là j'ai envie de les enculer. Parce qu'en fait, déjà, manque de respect. Et moi, je suis en train de faire confiance à des gars. Et là, je vais continuer de faire confiance à des gars pour des dièses, pour des histoires de business et tout. Continuer de faire confiance à des gars à qui je peux même pas faire confiance. Là, c'est ça le bail. Non, mais après, t'as vu, écoute, moi je rigole parce qu'en fait, t'as vu, c'était sûr que ça allait finir par arriver un jour. Parce que c'est des trucs, mais je dis pas que c'est normal. Je dis juste que c'est des choses
qui finissent toujours par arriver. Parce qu'en gros. Comment ça? Vas-y toi, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a lui là-bas? Il a t'attaque. Qu'est-ce qui t'arrive toi? J'ai chaud là. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire comme t'as vu. Là, c'était vers 22h, c'est simple. Déjà, je vais faire monter. On va se faire descendre legit. Là, ce qu'il faut faire, c'est déjà savoir qui c'est. Parce que le problème, c'est que déjà, tant que tu sais pas qui c'est, on peut rien faire. On va pas commencer à faire les foudroyeurs du quartier. Parce qu'au final, imagine, c'est un mec qui veut nous liguer les uns contre les autres. Tu vois, imagine, c'est une snitch même. Tu sais mais pas, imagine, en fait. C'est le mec là. Comment il s'appelle? Mikrovic? Non, le russe là. Le mec qu'on a pété les armes. Mais comment il serait pour les boîtes aux lettres? Mais parce que mais dans le quartier, les gars, réveillez-vous. Il est venu dans trois fois. Non, mais c'est pas une question de ça. Imagine l'envoyer un. Non, mais moi je suis un fou dans ma tête. Mais imagine l'envoyer un gars. Et le gars, il est au courant du fait qu'on ait perdu ça. Il veut créer un litige pour nous mettre à mal. Ce qu'on va faire là. C'est des mecs du quartier parce que. Ça a été mis dans ma boîte aux lettres. Et à la fin, ici, une 50 Boys Young Talent. Et non, je l'avais déjà eu. C'est sûr qu'il y a des chances que ce soit des mecs de chez nous. Mais au cas où, dans le doute, faut faire attention. Écoutez, toi, reste avec ton frère jumeau. Se repose deux secondes. Je vais aller chercher les petits. Je vais les ramener un par un. T'as vu, on va parler. Commence par le petit Stax là. On va commencer si tu veux. Viens, Magi, on va aller les chercher. Je vais. Moi, je dois venir. Mais à chaque fois, je suis à 6 fois où je dois me déplacer. Oh là là. Mais pourquoi? Moi je comprends cette histoire là. T'as vu où on en arrive? En fait, il y a un truc en train de m'énerver. Hein. Y a un truc en train de m'énerver bien fort là. Y a un truc qui m'énerve bien fort, c'est que 50 il est en train de prendre le truc à la rigolade là. Il est en train de s'en battre les couilles en mode ouais, dans tous les cas ça aurait dû arriver un jour. Mais de quel a arrivé un jour? Tu trouves ça normal? 50 il se réjouit, pourquoi? Parce qu'on a fait les cons. On a voulu lancer notre truc de notre côté. Parce qu'il veut donner tort au Floyd. Il veut pas qu'on y aille. Il veut que les Floyd. Il veut donner tort au Floyd, exactement. Mais là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il les fume tous en parrain. Le problème, c'est quoi? C'est que Majestic, il est en train de le suivre. Il est en train de lui donner raison. Alors qu'il est en train de nous donner tort à nous, là, la fratrie. Frère, là, écoute, il me dit ça aurait dû arriver un jour. Écoute, le Bronx, je l'ai tenu toute ma vie. Ok? On a 29 piges aujourd'hui. Le Bronx, on l'a tenu. C'est pas des petits merdeux qui vont faire la peau aujourd'hui, tu comprends ou pas? S'il faut que je les fume tous un par un et que je reprends des petites recrues, je referai la même chose, des petits dealers. Mais tu sais très bien. Ma cam partout dans le Bronx. Tu sais très bien que je pense la même chose, mais là, la vie de ma mère, que là, j'ai envie de les aligner tous. Hein. Tous les tuer, mais un par un. La vie de ma mère, j'ai pas besoin d'eux, moi, tu sais très bien. Jusqu'à maintenant, on était que tous les quatre, nous quatre là. On était que tous les quatre, on avait de l'oseille, on était bien. On a toujours tenu notre business. Je crois que j'ai besoin de petites salopes comme ça là qui me font les malins. Qui croisent des gangsters là parce qu'ils traînent dans des blocs. Et moi, je m'en bats les couilles, hein. Moi, y a personne qui me tire dessus, tu vas comprendre. Petite salope là. Le problème c'est que ça va être de trouver le petit qui a fait ça. Il me fait le malin et tout. Putain. Vas-y, continue. Tout je disais, au final, tu vois, j'avais bien le CM. Mais juste après, vas-y, on rachète deux automatiques, on récupère un tech et un Glock. Et au final, on revient à la même quoi, donc je m'en branle. Ok. Tu sais qu'il y a eu des messages qui ont tourné dans le quartier, dans sa boîte à lettres. Des messages? Ouais, des messages, des petites menaces quoi. C'est des petits trucs. Ça te vrai. Non, je t'avoue, je traîne pas la boîte, je m'en bats les couilles, je m'en sers pas. C'est le truc qui. Il y a ton nom qui ressort dans ces blindes, dans ces tickets là, dans ces mois. Mon nom? Mais pourquoi il y aurait mon nom? Il y a des gens dans le quartier qui disent que c'est toi. Quoi? Mais attends. C'est quelle histoire ça encore? Et comment ça, il y aurait mon nom dedans? Les noms qui ont commencé par moi, après c'était Mitch, au début c'était de la rigolade. Après ça a continué, tu sais, les fameux mots sur lesquels on s'est énervé. Tu te rappelles hein? Mais non, mais tu vois pas que tout le monde essaye de me faire passer pour le coupable parce que je suis le plus jeune et qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire. J'aurais quoi comme intérêt à écrire des mots? On s'en bat les couilles, ça y est. Moi, si j'ai un truc à le dire, je le dis en face, tu vois. Tu fais bizarrement partie des gens qui pourraient ne pas avoir les couilles de me dire face à moi, ouais, t'as fait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je sais même pas pourquoi tu dis ça parce que c'est pas du tout la vérité. Moi, si j'ai quelque chose à dire, corps à corps, je te le dis direct. Ah ouais, tu l'as déjà dit devant Rich que ça te cassait les couilles qui baissent ta mère. Non mais Rich, c'est différent, c'est l'histoire, elle est plus profonde que ça en fait. Parce que si j'ouvre ma gueule, je sais pas ce qu'il en advient de ma mère, puis je sais pas ce qu'il en advient de moi aussi en fait. C'est vrai qu'il y a sa maman dans le bloc, hein. Pourquoi il ferait ça? Donc les gars, moi je reste complètement neutre vis-à-vis de lui parce que... c'est au sens propre du terme qu'il baisse ma mère, donc je suis pas un moyen chaud, hein. Non, du coup, c'est pas toi qui aurais pu. Qui aurait quoi? Qui aurait pu poser ce message dans la boîte aux lettres?
Non, honnêtement, comme je vous l'ai dit, tu vois, si j'avais un truc à dire, non, mais qui aurait pu, hein, qui aurait pu le faire dans le quartier? Je sais pas, moi, il y avait plein de gens, des petits trous de balles, ça pourrait même être un habitant, même pire, en fait, ça pourrait juste être un mec qui est passé comme ça, le garde de rein, et qui l'a posé dans une boîte aux lettres. Hein. C'est pas entendu parler de la soirée, du tout. Il n'y a pas eu qu'un seul message, il y en a eu plusieurs. Bah, en vrai de vrai, non, il n'y a rien qui m'est remonté à mes oreilles. Mais attends, écoute-moi bien. Quoi? Eh, regarde-moi, c'est quoi, ça va être simple. Là, peut-être t'es en train de dire la vérité, peut-être t'es en train de mentir. Le jour où j'apprends, qui sait, si j'apprends que t'es dans l'eau, si j'apprends que tu nous as menti là, face à face, que là, tu vois, là, il y a les trois frères. Là, il y a trois Floyd face à toi. Il y a 50 qui est pas loin. Si t'es en train de mentir aux quatre têtes du 7, et surtout à moi, là, qui vient de m'arriver ça, la vie de ma mère, hein, si je l'apprends, je vais tuer ta famille devant toi, je vais tuer tout le monde. Je vais tuer tous tes amis, tout le monde. Je vais te faire un truc, t'as jamais vu ça de ta vie. T'as capté, attends, quitte à me faire buter, là, quitte à aller en temps, je m'en bats les couilles. T'as capté. Mais moi dans l'histoire, j'ai vraiment rien fait. Pourquoi tu me menaces comme ça? Moi, je te le dis. Putain, moi je suis tout le temps là, je fais des sous. Si t'as fait quelque chose, dis-le nous maintenant, Stax. C'est le seul moment de te racheter. Putain, mais j'ai rien fait. Si un jour j'apprends que tu m'as menti face à face, je vais t'enculer comme jamais t'enculer. T'as capté? Lève-toi, Stax, lève-toi. Non, mais attends, c'est très grave là. Tout le temps, vous me faites des menaces, tout le temps, vous faites des trucs, des machins, des bidules. Alors que moi, je fais tous les jours, je suis là, je suis sur le terrain, je fais des trucs. Et quand il y a des plans bourbiers, bah, je suis toujours le premier à aller en plein milieu. À chaque fois, c'est tout en moi et ça retombe toujours sur ma gueule. Alors moi, je commence à avoir le cul, hein. Je fais jamais rien, je suis toujours dans le bon sens et je me fais toujours baiser dans l'histoire. Il est trop fort, putain. Mais quoi, c'est pas drôle. Non, vas-y, moi, avoue que c'était toi, fils de pute. Alors, quoi, comment maintenant, hein? Mais comment, c'est pas vrai, y'a personne qui peut t'avouer parce que j'ai rien fait. Et pourquoi t'as du sang comme ça là? T'as fait quoi, Fifty? Hein? J'ai rien fait, Fifty. Je les ai charcutés un par un, moi, c'était toi, fils de pute. Écoute, je suis tout le temps là, je fais tout le temps les trucs bien, Fifty, c'est bon. Je fais toujours tout plein de trucs. Je crois que c'est un des meilleurs RP tipeux que j'ai vu. J'en ai envie. Bon, en vrai, dans le monde, on m'a rien dit, c'était un bluff. Quoi? Dans la chambre. Oh? Ah, ça va être Bresson, je peux avoir. Je sais pas c'est qui, espèce d'enculé, moi, t'as rien dit, espèce de ça, hein? Personne n'a parlé dans ce putain de quartier, personne n'a rien dit. Ah. Tu vas me la mettre, hein, Stax, tu penses que tu peux m'en mettre, hein? Tu sais qu'on est nous, espèce d'enculé, moi. Il a saigné, espèce de bâtard, tu vas passer le message dehors. C'est bon, arrête. Tu vas le tuer, arrête. T'as vraiment entendu dans le quartier. Putain, ça m'a rappelé des souvenirs comme mon père, il me tapait. Rich, arrête de partir en couille. Tu vois bien que c'est pas lui. Lève-toi avant que je te piétine. C'est le meilleur RP que j'ai jamais vu. Et va me chercher Simon, dépêche-toi. Cavale, je crois que Stax, c'est le meilleur type. Dépêche-toi. Et pas un mot ce qu'on t'a dit ici. Eh, t'as compris? Eh, viens là. Je dis rien à ta mère. Eh, écoute, viens là, deux secondes. Quand je dis rien. Eh, vas-y, on t'a dit quoi dans la cave? On t'a amené dans la cave? Rien, parce que j'ai pas vendu assez. Ah ouais, voilà, stream. T'as pas vendu assez, maintenant ça s'appelle Adam là. CS. Dépêche-toi, va chez Simon. T'es des solides, le gosse. Ouais, lui, il a la petite. T'imagines le gars, il nique sa mère et en plus il nique son gosse. Et c'est même pas son père. Non, c'est toi. Bordel. Bitch, il veut pas rigoler ce soir, il a le démon. Mais tu veux qu'il dise quoi en même temps? Bon, il se fait tirer dessus, il dit que c'est les 10 du quartier. Et toi, non, en plus, tu m'accuses. Hein? Ouais, mec. Qui t'accuse? 50, dit que c'est moi, je t'ai tiré dessus. Regarde, bien si c'est toi, mais alors toi, ton père, je vais le tuer. J'ai jamais dit ça. En gros, je l'ai pris entre quatre yeux, je lui ai dit, moi, je pense que c'est toi, t'es là, tu fais le trou de balle comme ça, tu fais l'innocent. Il me dit, non, c'est pas moi. Bah, si c'est pas lui, alors vas-y. Mais bon, tu me connais depuis longtemps, 50, tu sais que j'ai toujours été comme ça, gars. Tant qu'on est deux au bout, c'est qu'il n'y a pas à plaider. L'autre, il s'est fait tirer dessus dans la street, et il dit que parce qu'on lui a envoyé des petits mots doux dans sa boîte aux lettres. Ça se trouve, c'est une histoire de chipette, frère. Ouais, j'avoue, Mitch, je te le dis tout de suite, hein. En fonction de ce. Va niquer tous les boucs du quartier pourri, hein. Attends, Mitch, je suis en train de remettre ma parole en question alors que je suis en train de vous dire que c'est un mec que vous savez pas tenir. Mais rien, Mitch, s'il te plaît, mets le décodeur et comprends ce qu'on me dit. Il n'y a pas de décodeur, je sais très bien, c'est eux. Je suis pas. Eh, écoute, mais qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Bah, vous, là, vous êtes en train de dire. Non, Malik, il est défoncé. Non, moi, je te le dis, j'ai un peu de phrase. Non, mais là, c'est même pas toi, en fait, Fichi qui m'énerve. C'est Majestic. Le mec, c'est mon frère, t'es mon grand ref.
Et t'es là en train de dire, ouais, ça se trouve, c'est pas eux. T'es en train de te faire des plans sur il leur compte. Il est défoncé. Mais mec, ça a rien à voir avec le fait d'être défoncé, boy. C'est les gars du gang. Pourquoi ils te tiraient dessus alors que t'as réglé le truc à demi-mesure? Et techniquement, on s'est mis encore mieux parce qu'on a des contacts sur le long terme. Mais parce que les petits, ils le savent pas. Ils le savent pas qu'on s'est mis encore mieux. Ils s'en rendent pas compte. Ils comprennent rien au business. C'est des types, eux. Après, moi, je vais pas te mentir, hein. En fonction de qui c'est qui a fait quoi et en fonction des arguments, ça me ferait chier de les canner s'ils ont les dents longues. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont tiré sur toi. En fait, t'as vu, moi, de toute façon, déjà, avant de prendre une décision et de s'exciter, il faut déjà qu'on sache qui c'est et pourquoi il l'a fait. Et il faut être sûr de qui c'est. Parce que déjà, tu m'as dit, moi, t'as vu, ça m'étonne qu'il soit 3. 3, c'est chaud, hein. Parce que tu m'aurais dit un petit Giz qui s'est motivé dans son coin, il a pété son crâne. Vas-y. 3, c'est une rébellion. Et 3, c'est chaud de fou. 3, c'est... ils ont fait une coalition carrément. Ils jouent à quoi, ces fils de pute? En fait, le problème, c'est qu'on n'est pas subtil. Dans les faits, là, maintenant, si tu penses que c'est les 10 du quartier, tu vas les taper un par un. Ils vont jamais te respecter. C'est encore pire. Ça veut dire qu'ils vont croire que t'es pas sûr. Au lieu qu'on les piège, mon gars, qu'on les attrape un par un en inventant une histoire ou qu'on missionne quelqu'un ou j'en sais rien, j'ai pas des indépendants ou ce genre de choses. Là, mon gars, t'es en train de griller tes cartes bêtement. Là. Non, en soi, pas les clés. Même si on les tabasse, ils sont obligés de respecter ça. T'es pas dans la cave, là? Pourquoi tu viens dans la cave, toi? On va tous les tabasser. On va dit de venir. Je sais pas, moi. Attends. Pourquoi vous dites à Simon de venir? Il était dans la voiture de... Mais oui, mais il faut pas être con. Si tu veux donner le change, faut mettre tout le monde dans la même situation. Non, mais on sait que c'est pas lui. Mais lui, il le sait pas qu'on sait pas. Il peut être au courant de certains trucs. Il peut être au courant quand même. Faut pas qu'il se dise qu'il est safe. Réfléchis. Et range ton Uzi, là. Sauve pas d'ici avec. Pourquoi vous sortez vos autos pour rien en plus dans une cave? Il y a riche de la cave, tu comment ça pour rien? Mais comment ça pour rien? Mais pour rien, parce que tu sais, tu vas tirer dans le tas comme ça maintenant. Peut-être là, tu pètes ton crâne, ça risque 2 balles dans ton crâne. Pour rien. Arrête un peu. Ouais, pour rien, c'est. Rentre. Là, ça te dérange, hein. Quand tu fais peur des armes OG, ça te dérange moins. Les armes, on les a récupérées là, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, bah t'es pas mort, arrête un peu, on dirait que ça y est, arrête un peu. Ah, du coup, je suis pas mort donc c'est pas grave. Qui a dit que c'était pas grave? Tu veux que je te pleure en fait? Faut que là, toutes les 5 minutes, on dise « Oh non, Mitch, je te demande juste de tenir les petits peu là, qui manquent de respect. » Mais tenir les petits peu de quoi? Toi, tiens-toi, toi, et moi, je tiens les petits peu derrière. C'est grâce au Floyd, oublie pas. Ouais, génial. Et là, tu nous fais ta mijaurée, là. Ça y est. Règle les trucs comme un vrai Giz, arrête de pleurnicher, parce que t'as pris des balles. C'est grave, ça fait des histoires entre les gradés. On dirait que t'es mort. C'est bon, on va les trouver. C'est pas la première fois qu'il y a un mec qui fait de la merde dans le quartier, non? T'as vu ce que tu vis là? Ouais, mais hein, c'est la première fois qu'il y a un mec qui tire sur un Floyd. Ouais, c'est la première fois qu'il y a un mec qui tire sur un Floyd. Et moi, c'est pas la première fois qu'il y a un mec qui fait de la merde, t'as vu? Il y a pas longtemps, il y a un mec qui a tiré sur une station essence et qui a fait qu'il y a des mecs qui sont morts, t'as vu? Il y a pas longtemps, il y a un mec. Ouais, je le ressors, ouais. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant que t'es là. Vas-y, attends, je dirais ça après que Simon soit sorti. Et tu sais pourquoi t'es là, petit fils de pute? Parce que là, visiblement, faut s'énerver. Parce que visiblement, maintenant, c'est la fin du monde. Eh, ça y est, t'inquiète pas qu'on va les trouver, tes mecs qui tirent dessus, je sais pas quoi. T'es au courant de quelque chose, toi, tu sais pourquoi on est là ou pas? Non, je sais pas. Tu penses quoi des Floyd, Simon? C'est des bons, hein. J'ai toujours été carré. Hein. Ok, tu penses quoi de Rich? Rich? Tu penses quoi de ce qu'il fait, ce qu'il apporte dans ce putain de quartier là? La pression, il met la pression au quartier. Et à quoi à part ça, il... Ouais. Ouais, il parle, il sait parler. Ouais. Tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Tu penses quoi de Majestic? Majestic, c'est la famille, hein, je l'aime bien. Ouais. Parle bien aussi. Mais HRP, on sait qui c'est, évidemment. HRP, je sais qui c'est. Lui aussi, il apporte aussi ses idées. Il a de bonnes idées. Mais aussi. Et voilà. Comment? Mais aussi, j'ai dit. Ouais, t'apportes de bonnes idées. T'as vu, t'as des bonnes idées des fois. Ah ouais, et tu penses quoi de Mitch? Ce qu'il apporte au quartier? Ou ce qu'il a pu apporter? Sois honnête, fils de pute. Bah, Mitch, il a. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Je rigole, moi? Je rigole. T'es là, t'as le sourire en coin. Non, excusez. C'est nerveux, c'est nerveux. Non, Mitch, quand t'étais pas là, il a bien géré quand même. Hein. Quand t'étais pas là, c'est lui, il était là. Il nous faisait bouger et tout, t'as vu? S'il serait pas là, il y aurait Rich et Majestic, mais c'est un peu lui qui prenait les devants, quoi. Ouais. Quoi? On a amené la coke, nous, au quartier, fils de pute. Ouais, mais t'as vu, niveau... c'est mon ressenti, je peux le donner. Après, c'est... Oui, parle. Je pense que chacun a son truc. T'as vu, toi, Majestic, t'es plus un peu dans les délires comme as, business, tout ça, nanani, nanana. Défoncé, ouais. Lui, voilà, la cam, tout ça, t'aimes bien, tu vois, c'est toi. Et
Merci Ramsco, merci. Voilà, Rich, c'est, voilà, quand faut parler, il parle. T'as vu, quand il faut mettre des pressions, il est là. Et Mitch, un peu, voilà, la tête, tu vois, c'est lui qui... Et en fait, moi, je sais rien, fils de pute. C'est ça, mais toi, mais toi, t'es... Mais toi, t'es... Mais c'est quand t'es pas là, moi. Mais non. C'est moi, je vais te tanner, en fait, sale chien. Voilà. Mais non, mais toi, toi, t'es le... T'es là, le tu pars 3 jours sur un bateau, tu reviens, tu ne te vois pas. Là, casse-toi de là. Vas-y, sors, de, sors d'ici, sors d'ici. Et si j'apprends... Attends, et si attends, attends. Qui a mis les messages dans la boîte à lettres? C'est pas moi, toujours. Qui a mis, j'ai pas dit que c'était toi, dis c'est qui le blast qui a mis les papiers dans la boîte aux lettres. Je te jure c'est moi, je te jure c'est moi. Je te l'aurais dit. Moi je suis pas dans ce délire, vous savez comment je suis un mec solitaire, donc j'en sais rien, je te jure. C'est vrai qu'il est, il est SBF du quartier lui. C'est vrai que c'est le SBF frère. Pas dans la chambre toi aussi. Hein. Ouf. Merci Ario, merci pour le 13ème mois. Mamacita, Sita, Sita. J'ai juré que ça me fait de la peine. Ferme ta gueule, je t'ai dit, ferme ta gueule. Oui, si j'ai appris que c'est un d'entre vous, toi ou qui que ce soit, espèce d'enculé, va, je le fume. Ah, il a fait un bruit de goutte. Je dois te redire là. Il a pas fait un bruit de goutte. Ouais, j'en peux plus. Et t'as vu, tu vas lui dire casse-toi, tu vas me taper sur le ventre, ça marche pas. On a dit le même truc au même moment. Eh, hey, tu vas me faire, hey, tu vas me ramener Tiroy après, c'est bon. Vas-y. Comment t'as fait, Rich? T'as pas là, attends, il a fait comme ça, je sais le faire. Vas-y. Oh, tu le fais grave bien. Ouais, après, c'est dinguerie. Allez, dépêche-toi là, cavale. Ouais. En fait, moi j'ai une mâchoire, elle est trop en bois. Du coup. Ah ouais, j'aime bien le bruit. C'est vrai? Ouais. Ta bitch a fait le même bruit ou pas? Mais tu sais qu'en plus les mecs savent faire du beatbox, ils savent faire ça, pourquoi tu sais pas faire? C'est pas facile là. Hein. Moi je sais pas. Merci Narowax, merci mon gars. Vous pensez que c'est qui vous? Je sais pas. Marlo, Gunnar. Marlo impossible. Marlo, Gunnar, Stats. Marlo 1, Marlo impossible. Yuna, il était pas aussi, il était pas aussi vendre. Ah Bendo, peut-être Bendo. Qui... Moi pour moi c'est Bendo. Bendo c'est une tête dure lui en plus. Bendo, Gunna, Marlo. Truc comme ça, Tiroy. Dis que Marlo c'est impossible. Rat jamais impossible. Mais t'as comment tu fais avec toi. Mais en gros tu fais ça genre, faut que t'apprennes à faire ça. Bah là je fais là, regarde, regarde là. Et bah après faut que t'aies le timing où tu mets des... où tu mets un quoi, une pichenette. Nique ta mère, j'y arrive pas. Rich, tu sais faire? J'aime pas faire ses lancers, non. Lui. Rich ne savait pas compter deux par deux ni lâcher ses chaussures. Rich Franklin, son ami Lousson et le renard Bernabé allaient dans les champs et le soir, il faisait pousser de la ganja. Puis après, Majestic, le grand roi de toutes ces plaines, venait pour les rafaler et il chantait. Eh oh! Oh les Jesus. Ouais, bien ou quoi? Assieds-toi. Ouais, bien ou quoi? Sinon. Non, assieds-toi dans le canapé, où tu veux, mais qu'on te voit bien, là. Vas-y, Mitch, vas-y. Hein. Je vais avoir un truc dehors. Non, mais Rich, vas-y, pose des questions, Rich. Rich. Question. Tu roy. Gaiden. T'en penses quoi de Mitch? Qu'est-ce qu'il a fait? Derrière des armes et tout. Comment ça? Ah! Le problème qu'il y a eu, me dis pas comment ça. Ok. Il a fait ce qu'il pensait être bien, t'as vu? Tu lui en veux? Non, même pas. Lui, c'est même un pas, en fait, t'as vu, lui, c'est mon brave. Tout le monde fait des heures, t'as vu, ça arrive. Lui, donc, c'est. Alors, ça voilà. Pas si mal. Ouais, toujours pas mal d'armes, on n'a pas tant perdu. Ça reste une des têtes vous de dites dommage, moi, c'est mon crack, hein, je le kiffe. Bah, normal, c'est pour ça qu'on le respecte. Tous les messages qui ont été posés. En fait, il se trouve, il faut vraiment un VMage dans son groupe. Quel message? À chaque fois, genre, quand je me rends compte, c'est vraiment le joueur complet. Tu vas payer. Enfin, depuis longtemps, yo, des mecs qui mettent. Il sert pas à rien. Il est calme, mais pas trop non plus. Je suis pas au courant de ça, mon gars. Il est. Message que. Non, il est trop bon. Ah, même au début, avant que tout ça se passe, là, tu t'es pas au courant. VMage au-dessus de Z. Non, même pas. Le message que je vous avais fait lire, là. Je sais pas. Le tout premier message, tu te rappelles pas, je l'avais fait lire à tout le monde. C'est la même catégorie de joueur, tu vois. Je l'ai pas lu, moi. Je sais pas ce qu'il disait, qu'en gros les frères Floyd. Je sais pas quoi. C'était quoi déjà le message, le premier? Tu te rappelles, Mitch? Non, j'en sais rien. C'est des mecs qui me disent dormir sur mes deux oreilles, que je sais pas quoi. On a rien fait pour le quartier, mes couilles, j'en sais rien là. Je sais pas, mais si. Je sais qui en c'est, veut, les qui gars, en veut au quartier, sur un Mitch? Qui en veut? Je suis au courant directement. Qui en veut au quartier, Mitch?
Dans le quartier. Ouais, t'as pas entendu des échos là, t'as pas entendu dans des couloirs, dans des blocs, des mecs mal parler là. Non, même pas les gars. T'as pas une idée pourquoi d'un gars qui des mecs du 7. C'est ouais. Les mecs du 7 qui t'ont mis ces messages là. Possiblement. Je te jure, je suis pas au courant de ça, hein. Je vois vraiment pas qui. Chacun dans ce groupe apporte qui aurait dû être ouais, dans ta tête, dans ta tête. Il y a un 10, ouais. Une tête du quartier qui fait une erreur. En soi, on n'est pas mort, tu vois. Réel ou pas. Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a que les putes qui prennent pas de risques. C'est vrai ou pas? Bah oui, il a pris un risque. Bon. T'as vu, au final, on n'a pas tant perdu. Et faut prendre voilà. Des risques pour faire des trucs. T'as vu. Bah ouais, sinon, on serait des informaticiens ou des paris pipacaluquins, des trucs comme ça, métier bizarre, là. Bon, maintenant, on est des 10 boys. Le gars, il a réglé les bails, regarde, il a une auto dans la main. Vénère. Qui, ah bah ouais. Dans le quartier, serait envisagerait potentiellement, tu vois, dégager un gars de la tête du bloc, tu vois. T'as pas une idée, toi, des mecs qui, pendant une soirée sous l'île ou au studio, vous avez parlé et puis vous êtes dit, putain, des fois, il me casse les couilles, Rich, avec sa grosse voix, sa grosse tête, son gros corps, il est enrobé, il peut même pas courir plus de 500 mètres sans trébucher comme une vache à lait. T'as pas une idée de qui pourrait dire ça? Franchement, je vais pas te mentir, même si ça, j'étais même pas au courant des probés qu'il dit. Et j'ai pas prêté attention à ça, du coup. Mais si vous voulez, je peux essayer de me renseigner. Mais... Contrairement à 366, vous êtes grave des ouais. Franchement, comme ça, là, personne ne parle groupe, de ça. Mais vous êtes vraiment pas invisible par rapport aux autres gangs, comme vous pouvez être reproché avant. On était tous là, là. Ce depuis, groupe-là, il a de la gueule. Tout le monde a sa personnalité, tout le monde apporte son truc. Ah ouais. Le groupe, il fait du bruit. Le groupe, il, tu vois, ce sera jamais... Ouais, je vois les bails. Pour moi, c'est un groupe qui faut sur le plateau. T'es pas dans ça, toi. T'es pas dans le complot. T'es pas un templier. Hein? Quel complot, les gars? Tout pour le quartier, je comprends. Tu vois, si t'as des trucs, tu sais bien dans ta tête ou quoi, c'est pour le bien du quartier, c'est pour le bien du gang. Normal, comme toujours. Tu captes ou pas, tu vois? Si j'avais un truc, les gars, je l'aurais dit direct. S'il se passe des trucs contre nous, ça va pas avancer chez nous. Ça va pas du tout avancer. J'espère que t'es bien conscience de ça. Je suis au courant, mon gars. T'étais où il y a une heure? Je suis arrivé chez elle avec 50 direct. On était dans la. Dans l'Audi. Ah, ok. Quand il s'est fait tirer dessus, il nous a appelé, on est parti le voir direct. Là, il était avec 50 Boy. Essaye de savoir là, c'est qui c'est, ces petites salopes de 50 Boys in Talent. Moi, ça, je tire. Attends. Je viens d'avoir un truc. C'est pas Tiroy, j'en suis sûr. En vrai, aussi, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Moi, je te dis Tiroy. Moi, il y a un truc simple. Hein. T'es un des seuls dealers, je pense, en qui aujourd'hui je peux mettre ma pièce dessus et je peux avoir confiance. T'es un des seuls mecs. Et là, je disais à Rich là. T'es un des seuls mecs en qui je peux avoir grave confiance par rapport à tous les autres. Hein. Sache-le. Mmh. Et moi, j'ai déjà parlé de toi pour que tu passes Disciple. J'ai déjà. T'as vu, je sais comment t'es, je connais ta valeur. Et je vais pas faire la salope. Moi, des mecs ici. Je sais qu'ils ont retourné leur veste, je sais qu'ils ils font les mecs devant moi, mais derrière ils ont pas de face, c'est des petites salopes. Donc essaye de me trouver les mecs qui ont fait ça. La vie de ma mère, tu vas comprendre. Parce que là, tu vois, le problème c'est quoi? C'est qu'on va travailler avec des mecs à qui on peut pas faire confiance. Moi, je vous donne des trucs à faire. Vous faites l'argent du quartier à des mecs qui on peut même pas avoir confiance. Là, il y a un mec, il y a un intrus, il y a des taupes, il y a des mecs, ça se trouve, ils parlent aux flics, il y a des mecs, ça se trouve, ils veulent détruire 50, ils veulent faire machin bidule. Et là, ça va être simple, hein. Et on va trouver ce mec-là et on va l'enculer. Le mec qui portait ce gun et qui a appuyé sur la détente, je vais l'enculer personnellement. Et que ce soit de gré ou de force, hein. Que ce soit toi qui me ramène l'info ou personne, hein. Moi je vais le trouver moi-même là dans quelques jours et je vais l'enculer. Sachez-le. J'ai bête tassu, je ne sais vrai pas les gars, j'ai trouvé cette info. Vas-y, ça marche. Vas-y, ben, tu peux y aller là. Vas-y, boy. Hein. T'es le seul qui repart avec tes deux jambes, estime-toi heureux. Genre que tu t'es fait tabasser quand tu montes là-haut. Vas-y. J'ai ok. Hein. Oh ouais, j'ai... T'inquiète. Tu voulais dire quoi, Madji? Je te dis juste moi, que dis, c'est ce là, que tu... vous êtes mais en train de discuter, mais ferme-la quand il te parle. Ferme-la quand il te parle. S'il te dit un truc, tu tais, t'encaisses, boy. T'es pas content, tu vas jacter comme les autres dehors. Mais quand il te dit un truc, tu tais. Ici, on a décidé que c'était lui le gérant. Et en plus de ça, tu t'es fait rétrograder. Donc t'as ni le niveau de Rich, ni le moi Majestic Boy. Et que tu sois content l'inverse. Ou pas content, man, dans les faits, tu t'es fait tirer dessus, t'es en train de faire retourner toutes j'ai les balles pas contre dit ta que tête. Pas alors content. C'est nous qui devons pas t'aider, dit que man. Je suis pas content, je te dis juste que là, il y a un problème. Là, les petits, ils sont mais pas bien tenus, sûr qu'il y a un problème, espèce de couillon, frère, on est en train de gérer, boy. Mais le problème, c'est que toi, vu que t'en fais qu'à ta tête et que t'as de la putain de miel dans tes oreilles, t'es pas capable d'écouter les 10 de ce quartier, man. Mais j'écoute, c'est juste que là, on n'avance pas. C'est on juste avance un problème. Pas parce c'est que toi qui nous empêche d'avancer, hein. Chouaoua, kounia maman, bonhomme, fuck, hein. C'est ça, oui, boy. C'est toi, là, attends, Majestic, on est bien d'accord qu'on est en train de ramer dans le vide, là, depuis tout à l'heure. Y'aura personne qui oui, le dira. Oui, c'était.
Donc on prend, je perds patience. Moi je vais l'enculer. Oui, Litchi, je vais l'enculer, frère. Tu commences vraiment à me casser les couilles à moi aussi là. Eh, vas-y, ferme ta gueule un peu, écoute ce qu'ils ont à dire. C'est bon, un chouao. Si moi saute. Mitch, saute d'ici. Il est en train de craquer, il est en train de kekra. Et en fait, t'as vu, pour faire kekra à Magie, tu te poses pas les bonnes questions. En gros, tu crois, là, on parle de ton histoire de je sais pas quoi, de bidule truc, de qui t'a tiré dessus, ça va être réglé. En fait, il n'y a aucun monde où ça sera pas réglé. Ça va être réglé 100%. Mais toi, t'es là, et en fait, tu comprends pas que le vrai problème, il vient du fait que t'es pas capable de te calmer et de réfléchir. Là, tu pètes ton crâne, je te dis un truc, tu pètes ton crâne. C'est pour ça que je suis parti, parce que là, je sais très bien que là, ils m'ont tiré dessus, je suis énervé, donc autant bouger, autant faire autre chose. Non, mais y a pas de bouger, je sais pas quoi, tu vas rien faire du tout. Déjà, de 1, t'es blessé. De 2, vu ton état mental, tu vas rien prendre du tout, mon frère. La dope, putain. Regarde, en plus t'as vu, ça met un mood compliqué. Rich il est là le cul entre deux chaises, c'était son jumeau. Magic il veut te mettre des paires de baffes et moi t'es en train de me fatiguer pour rien. Mais alors pourquoi les gens, moi c'est la question que je vais vous poser. Pourquoi les gens, quand je leur ai dit, si quelqu'un a un truc à me reprocher, qu'ils me le disent maintenant, on en discute. Comme des grandes personnes on en discute, on règle les bails. Au lieu de ça, non, ils ont pas parlé, ils ont fait les salopes. T'as rajouté quoi après la fin de problème? Mais je leur ai dit que si moi, ils me parlent pas maintenant et que genre dans 2 semaines ils continuent à parler d'histoire et à faire les hypocrites, là je les baiserai. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie ici. Ce qu'on pense, on le dit. Moi, ce que je pense, je te le dis. Ce que tu penses, tu me le dis. Tout le monde ne fonctionne pas comme toi en fait. Ça, c'est pas normal, les gars. C'est des petits. C'est des petits. T'as des dealers. Tu comptes pas, Mitch. Ouais, mais Fifty, quand ils ont un problème avec toi, ils viennent pas te dire en mode reproche. Ils viennent te dire, ouais, Fifty, je pense que c'est pas de problème avec moi. Ils ont pas de problème avec moi. Parce que moi, j'ai pas des ambitions revues à la hausse et je pense au quartier. Et pas comment je vais devenir le plus grand roi. C'est pas vrai. T'as vu, là tu commences un petit peu à revenir sur terre ces derniers temps. Mais il fut un temps il y a quelques mois où tu voulais carrément te barrer pour tu sais très bien quoi faire. T'as vu? Alors arrête de me casser les couilles à faire l'innocent maintenant. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que te hack égale conséquence. Toi tu fais des trucs, ok. Et après, encore une fois, je juge pas ça. On s'en bat les couilles. T'as vu? Enlève de ta tête le délire de c'est ta faute, pas ta faute. Tu fais des trucs qui engendrent des conséquences de la part des types et de ce qui se passe dans le quartier. Et quand ça arrive, t'es choqué. En gros, t'es choqué qu'il y ait des mecs qui soient assez cons pour t'en vouloir. T'es choqué de ça? Non, je suis pas choqué de ça. Alors pourquoi tu pètes ton crâne? Je suis choqué du fait que, genre là, moi en fait, ce qui me choque, regarde, je vais te dire objectivement, là, c'est en mode notre réaction. Le problème, c'est que les mecs ont bien caché le truc. Donc là, on est en train de mettre des coups de pression à des mecs, ça se trouve, ils ont rien fait et tout. C'est forcément les lois de la rue. Mais le problème, c'est que, genre, j'ai l'impression d'après ça la rigolade. En mode comme si c'était normal. C'est juste ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il pleure? Non, je te demande pas qu'il pleure, je te demande juste qu'il soit, je sais pas. J'essaie de trouver une solution. Mais en fait, t'aurais voulu. Mais j'ai fait quoi? J'étais en train de rigoler parce que je me dis, putain, c'est vraiment des trous de balles. Comme j'ai rigolé quand t'as fait péter la station essence, tu vois. Parce que je me dis, putain, c'est vraiment un trou de balles. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu crois trop tes identités, je sais pas, tu te prends pour qui. Tu crois que tu veux que je fasse quoi? Que je pleure? Oh, t'es pas mort. T'as pris une balle dans la hanche. Je m'en bats les couilles. Et j'ai rigolé. Et je me dis, qui a dit que je m'en battais les couilles? Même si tu t'en bats les couilles, demain, je m'en bats les couilles. Et alors, je m'en bats les couilles. Mais en fait, c'est là le problème, tu vois, tu me laisses pas parler. Je m'en bats pas les couilles. Alors, si tu t'en bats les couilles, moi, ok, c'est la vie. Mais si tu rigoles, tu vois, c'est... Man, tu comprends bien. Moi, on a toujours fait les trucs à 4, il y a un mec qui se fait tirer ici en mode on rigole. En fait, c'est ça, moi, je comprends pas. Après, c'est peut-être un rire nerveux, ce que tu veux, mais... Comment ça, rigoler? Mais t'es tu... En plus, là, je t'en train de le dire, t'étais en train de rigoler. Je rigole. Mais alors quoi? Tu crois ça veut dire quoi, je rigole? Rigole. Magie, il est là, il était défoncé, il s'en battait, il comprenait pas l'histoire. Il s'en battait pas les couilles, Magie, il a juste pas compris l'histoire, parce qu'il est perché. Eh vas-y, en gros en résumé, là t'es pas content parce que j'ai rigolé. Robert, t'as vu cette phrase? Je suis pas content parce qu'ils m'ont tiré dessus. Là t'as vu, j'ai une balle dans la jambe. Vas-y, tu sais quoi? T'as vu? Moi, t'as vu ce bloc, là je le tiens. Au final, en fait, celui qui devrait se plaindre, c'est même pas toi, c'est moi qui devrais me plaindre. T'as vu? Parce que je dois tenir un bloc avec des G's qui sont tellement pas en place, qui sont tellement des bouffons. Eh, t'es un bouffon. La vérité, c'est un bouffon. T'as vu? T'es un bouffon. Je m'en bats les couilles. T'as vu? Y'a pas 50. Quoi, 50? Non, mais 50. Non mais attends. Ma parole, il est là, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, t'as rigolé, ça veut dire que tu t'en bats les couilles. J'ai 8 ans, moi. Mais 50, c'est pas le problème, bon. Tu sais quoi? Occupe-toi des G's, on va régler ça entre soi. Tu vas régler quoi? Madji, tu le contrôles pas, Rich le contrôle pas, t'as vu, vous êtes là, vous faites bouffer par lui. Ma parole que c'est vrai. Bon, on se fait pas bouffer. Il y a 30 secondes, t'avais de quoi, 50? Et à 30 secondes, t'avais le démon, t'as dû aller chercher des médocs pour te calmer parce qu'il t'écoutait pas. Arrête, me dis pas, tu contrôles. Mais j'étais plus sous cage, depuis cette histoire, il se passe quoi là? Depuis cette histoire, je suis disciple, je gère un petit peu les mecs. Leur dis de quoi faire parce que forcément j'ai de la voix quand il y a personne. T'as vu, j'ai rigolé, va bouder, t'as capté?
Mais ok, bah si tu veux. Si tu veux réagir comme ça, on va réagir comme ça. Eh, mais je réagis à ton niveau, t'as vu. Mais moi, t'as regarde, là, je suis passé à autre chose. Je suis revenu déjà. Y'a pas d'autre chose, y'a pas d'autre chose. Moi, et en plus, je suis allé appeler les gars, je leur ai dit aller chercher des pochons, on va aller faire du crack. Mais y'a pas de cooking, t'as vu, y'a pas de cooking, y'a quoi. Moi, si je passe ma soirée ici à parler, je passe ma soirée ici à parler. Y'a quoi. Tu crois des trucs comme ça, ça va être réglé. D'accord, peut-être. Si je vais aller avec là, mais j'ai envie que les petits avancent, c'est tout. Mais les petits vont rien avancer. Ça mène à rien là, c'est bon. Mitch, vas-y, ça y est. Ça y est. Tu justifies pour tout et rien là, vas-y, c'est bon. Je justifie pas, c'est jusque là, c'est rien, c'est discussion. Tu justifies, tout le temps, tu justifies. Vas-y, fais. Vas-y. Non, non, y'a pas deux, vas-y, allez les faire coupe. Moi, je vais me poser, je vais aller me prendre une bière et une clope et je vais faire le branleur. Ma parole, je vais branler. Bière clope. Ouais, je vais branler, j'irai ce que vous voulez. T'as tué notre Audi là. Ouais, c'est bon, maintenant, vous voulez que je vous la joue comme ça, on va voir. Mais dis pas, en fait, le dis pas. Hey, Captain Boy. Ice. Glock, le canon il braille. Ah ouais, mais du coup, attends, je leur ai pas dit d'aller acheter des pochons, je suis con. T'es un bon. Yo, ouais, moi, bon, les gars, mettez-vous dans les. Ceux qui ont pas de scrap, on va aller en guetteur, on en a pas. C'est et ils voulaient quoi les Lost là dans une heure, ouais. Donc on coupe, on fait ce qu'on a à faire, on bloque tout ça. Là, si on arrive, faudra être pétardé pour la mission. Donc me perdez pas de pétard sur la mission. Pour expliquer ce que c'était la mission. Non, justement, il explique au rendez-vous. De toute façon, Vifty, je vais être franc avec toi. Ça dépend de ce que c'est. Ils mettent tous les sets dessus. Si c'est un Smash Rumble, mon pote, j'ai pas envie d'aller me taper le code rouge et la DOA. Non, mais on verra la récompense en fait sur tous ces jours. En fait, c'est ça, c'est la prise de risque avec la perte plus le gain. Ouais, de toute façon. Il y a encore le code rouge là. J'ai le code rouge jusqu'à l'année prochaine, frérot. Tant qu'ils ont pas attrapé les. Tant qu'ils ont pas attrapé l'autre qui monte. Sa prime, elle monte comme sur Mario Kart, mon frère. Il a 1,5 million, c'est une dinguerie. Ouais, c'est 1,6 million, c'est imagine. C'est un truc de baiser. Ils veulent près d'une Bugatti Veyron. Ouais, 10 AK, 42 Uzi. 1,6 million, les gars, c'est ça fait reconsidérer tous les valeurs, je te mens pas. Non, jamais. Même pour 1 million. Non, mais réfléchis, FFT, regarde ce qu'on fait. Même pour 1 million, j'y vais pas. Attends, écoute. On dit, ouais, viens, on a un plan, on a chopé Camille ou je sais pas qui. Le mec, il vient, on l'attrape. On le met dans une cave et après on dit écoutez, vous transférez l'argent sur un de mes comptes au Bahamas, sinon vous ne le retrouverez qui jamais. Qui parle là? Moi, mais je m'en fous des stacks. Moi non plus, ouais. C'est stack zéro. Moi je vais aller cook, c'est sûr. Je vais aller dedans. Attends, tout le monde va aller cook en fait. Tout le monde y va. Vous avez des motos pour guetter là ou même pas? Moi je peux trouver sur le chemin. Au pire, on va faire 4 cookers. Avec 4 cookers, on en a pour 5 minutes. Pas la Kelly, il a une moto. Y'a qui d'autre là qui est parmi? Je vais m'occuper de lui, t'inquiète. Faut prendre 5 des mecs qui font la cook. Hein. Hier on était 4, on était pas assez. Il y a assez de pétards. Ouais, il faut 5 mecs qui cook. 5 mecs qui cook, ça prend 5 minutes exactement, chrono main. Après, non, on va prendre un peu plus de temps parce que là il y a la brique à découper et tout. Avec l'ammoniaque. Ça, c'est des briques. C'est pas des. Range le pétard qu'on a au bloc, on sait jamais si elle est. Vas-y, venez, bah, venez en bout. Vas-y. Prends le bolleur. Non. De toute façon, je te tiens au courant, je t'envoie un message. Non. Ok. Gunna, prends tous les pochons dedans là. Moi je prends le reste. Il est où Marlo? Kelly, je t'appelle tout à l'heure, je vais te passer des sous. Passe pas Magic. Tu prends un truc ou pas? Tu la prends Magic? Marlo il est strappé. Je monte avec toi, tu me laisses un bacon ou quoi? C'est quoi, je monte dans une. Dans non une mais caisse. Moi je. Marlo, tu vas dedans ou tu guettes? Je vais recruter le coach. Bah vas-y, on va. Moi je vais guetter au. Bah viens avec moi. Ah oui, d'ailleurs, on doit récupérer 200 de crack des Rollins ce soir. Vas-y go, suis moi. Ça va Max ou quoi? Ouais ça va. C'est le con. Il me répond pas. Est-ce que ça va mieux Mitch ou quoi? Ouais ça va. T'as été chez où Mitch? Ouais mais pourquoi il y a rasé les murs en lui? Allo il est pas là Wayne? Non. Il a rage quitté. Vous nous devez 200 de crack là, c'est comment? Je te rappelle, ok? Vas-y, rappelle-moi. Je dois mettre de la sens et. Vous avez de la thune parce que j'en ai pas. Ouais, j'ai une sorte de plan. Et quand on arrive là-bas, et soyez vifs, parce que quand on achetait des pochons avec Mitch, il y a une moto, elle est passée 3 fois devant nous. À un moment, ça va essayer de nous taper là-bas. Je veux dire, c'est les Jazz. La catastrophe, Anna. La cana. Gana, c'est une chose. Ah ouais, t'avais dit la catastrophe, Anna, et t'as bégayé. Bon, on va dire que, allez, on va dire 10 grand maximum, on commence, et force à ceux qui sont pas là, ils ont qu'à arriver à l'heure. 10 carrément?
Il va commencer maintenant, Lucky, ça y est. Allez, on va commencer maintenant, j'ai pas que ça à faire. Bon. On va faire simple et rapide. Par le biais d'un contact, j'ai appris qu'un corbillard nacré rouge, qui contient des documents qui m'intéressent, va partir d'un point A pour aller à un point B. Je veux tout simplement que vous le récupérez. Bien sûr, il y a une récompense. Il y aura déjà en premier temps 20 000 $. On va dire 15% de réduction sur la prochaine commande que vous passerez chez moi. Pour ceux qui savent pas encore, je vends des armes. Et une priorité sur un business qui va arriver très prochainement. Je vais laisser Ticket parler par rapport au véhicule. Du coup, le véhicule, c'est un corbillard noir nacré rouge. La plaque, si vous voulez la noter pour vous en rappeler, c'est 67 IVS666. 67 IVS666. On veut le véhicule, les clés et les documents qu'il y a à l'intérieur. Il va partir normalement, il part d'un entrepôt caché pas très loin du concessionnaire moto à Alderney, là dans le New Jersey. Et il se dirige vers l'aéroport. À minuit, il part d'entrepôt. À 1 h, il est prêt à envoler. C'est-à-dire qu'il donne normalement à 1 h grand max, il est sur tarmac. Pour que vous l'attrapez avant 1 h. Avant qu'il arrive à l'aéroport. Est-ce que vous avez des questions? Tu veux la chope, les clés, plus tu veux tout quoi. Tu as le mec qui conduit ou pas? Non, le mec, vous en faites ce que vous voulez. Yeah, boy. Vous faites ce que vous savez faire. Ce qui lui arrive au conducteur, j'en ai rien à cirer. Je m'en tape. La violence. Tout ce qui m'intéresse, c'est le véhicule et les documents. Vas-y. Oh non, c'est bon, de toute façon, il y a... Je suis mort à droite, ils sont grave bien alignés. Est-ce que tout est bon? Ouais, c'est good. Si tout est bon, je vous laisse aller vous préparer. Vas-y, c'est gay. C'est pareil, quelque part dans... Je sais d'où, je ne dirai pas devant l'ennemi. Ça va de soi, vous me rappelez une fois que vous avez récupéré tout ça. Trop mimes. Putain, j'aime trop les femmes masquées. Ouais, j'ai de quoi faire. Toi aussi? C'est qui a dit qu'il veut pas y aller déjà? Moi. Non mais c'est qui donne je sais pas quoi là? Eh vas-y, mais on vous a demandé votre avis à vous. Genre c'est quoi le truc là, je comprends pas. Non mais là, comprends, là, ils ont raison mais... dit, moi Gunna, je redonne mon gun, j'y vais pas. C'est comme ça que ça marche en fait maintenant, c'est ça? Bah je n'ai pas envie d'y aller en. Non mais t'as pas envie de quoi? Si j'y on y va, on y va, c'est pas de j'ai pas envie. Oui, bah tu peux aller mais moi j'ai pas envie d'y aller. Mais je m'en bats les couilles, t'as pas envie, si j'y on y va, c'est quoi ces conneries là? Ouais, en fait c'est quoi? En fait c'est quoi le délire maintenant? C'est en fait le délire, c'est chacun fait ce qu'il veut en fait. Genre c'est oui, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Eh, Kassoa, Maji, Gunna, Marlo, peu importe qui c'est, déjà comment t'as vu? Si vous voulez donner votre avis quand moi je dis, vas-y, pourquoi pas. Eh, j'ai même pas encore dit ce qu'on allait faire, c'est moi j'ai pas envie d'y aller, je donne mon gun. C'est quoi cette mentalité de fils de pute là? Depuis quand on est comme ça nous? C'est quoi le délire? Non mais je comprends pas. Non mais même Maji le fait mal là-même. Il est au téléphone, il me dit moi j'y vais pas. C'est quoi ce délire là? Boy, je te dis ce que j'ai sur le cœur, je crois que je vais faire mon. Non, mais y'a pas de sur le cœur ou quoi. Y'a pas de. Je sais pas quoi, t'as vu? On en discute après, je tranche. Y'a pas de délire de. Ouais, bah vas-y, on en discute, y'a pas de problème. Donc maintenant. Et je veux avant de reparler d'un truc. Eh, ce qui s'est passé avec Mitch, vas-y, on en parlera en temps voulu avec qui de droit et comment ça va se passer. Je vous le dis, hein. Je vous le dis tout de suite. Là, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Maintenant, voilà, je l'ai déjà dit. Je vais savoir qui c'est, ce qui s'est passé. Faites pas les innocents, vous savez tous de très bien de quoi on parle, de près ou de loin. Eh, je vais savoir. Eh, vas-y, t'inquiète pas, mets-toi au diapason. Eh, hey, je vous le dis, je vais savoir ce qui s'est passé, hein. Je l'apprendrai d'une manière ou d'une autre. Tout se sait, tout se paye, tout se sait. Vous avez deux choix dans votre tête de con là. Soit vous vous mettez au diapason, vous venez me voir et on verra comment ça finit. Mais il y a des choses que ça finisse un peu mieux que ce qui se passe. Soit j'apprends comment ça s'est passé, ça va partir en couille. Donc soyez malin. Maintenant, on va faire un autre truc là, parce qu'en fait, le problème c'est que comme je laisse couler la vis avec certains, hein, dont je citerai pas le nom, hein, il y en a d'autres qui se rendent tout permis, donnent leur avis, ils posent leur couille sur la table. Eh, hey, écoutez, c'est simple. Il n'y a pas de oui, j'ai envie, j'ai pas envie. Vous pouvez donner votre avis, j'ai déjà expliqué. Maintenant, commencez pas à partir dans votre truc. Commencez pas à partir dans des missions ou des délires tout seul tant que j'ai rien dit. Si vous avez un truc, vous voyez en conséquence. Donc là, la mission là, effectivement, c'est une mission de merde où ça va faire que se rentrer dedans avec des voitures. Je suis totalement d'accord. Hein. Et quand je dis on va y aller, c'est pas on va aller taper sur le convoi et on va se retrouver avec une voiture autour de nous. Hein. Je suis pas débile, merci. C'est
on va faire comme hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, hier, on était parti faire le truc, voir comment c'était. On a vu que ça puait la merde, on a laissé couler. Fin, terminé. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller jeter un coup d'œil, d'avoir une opportunité? Au pire, on a un timing, on tape, on récupère un business gratuit. Au pire, on n'a pas de timing, bah on sera resté 10 minutes dans une voiture et on rentre chez nous. Y a quoi de compliqué? Pourquoi vous me faites les je sais pas quoi, j'ai pas envie. C'est pas une histoire d'envie, les gars. Hein. Ouais, c'est juste les five-o en fait. Je vais te dire la vérité. C'est juste qu'en ce moment, il y a les terroristes qui sont cherchés là, et en plus de ça, man. Je suis d'accord, mais si on fait rien, ils vont pas nous casser. Si on est à côté et qu'on tape rien, ils vont rien faire. Bref, dans tous les cas, moi je vous le dis, le problème c'est quoi, Madjé? C'est que là, il y a une mission. Moi je pense que ça ne nous empêche pas de nous équiper, d'aller jeter un coup d'œil. De toute manière, les Five-O, s'ils débarquent comme par magie, parce que là pour le moment il n'y a pas d'escorte, on est d'accord, hein, c'est encore bien, donc il n'y aura pas d'escorte. Si les Five-O ils arrivent comme par magie, bah nique sa mère. Le problème c'est que là, si on peut récupérer 20 000 dollars, récupérer un peu de réduction sur des pétards et plus ça, ça nous met bien, tu vois. C'est pas une mission de merde. Il y a des missions, c'est vraiment de la merde. La mission d'hier c'était aller s'attaquer à un convoi de police de DOA pour 20 000 dollars. Ça pue sa mère, pour de la poudre à canon. Là, potentiellement, et encore une fois, c'est une histoire de timing. Ça se trouve qu'on pourra même pas taper parce qu'il va y avoir les favos qui vont arriver. Je vous dis, eh ben on rentre, et on rentre, terminé. Donc au final, là, il n'y a pas la mission, on fait quoi? On va rester ici, on va se regarder dans le blanc des yeux, à rien foutre. Ouais, bah vas-y, si tu veux, on y va, on verra. Bah vas-y, on va essayer de voir si on peut avoir un timing. Bon, c'est si dans New Jersey apparemment que ça part. Ouais, on y va, on teste le timing, si ça ne passe. Et pareil, si ça ne... vous me connaissez, je suis pas un forceur. Si je vois ça passe pas, je peux commencer à aller me suicider sur des cops, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Juste voilà. Surtout maintenant. Que il te rate pas, hein, c'est fils. Ouais. Là, voilà. Pareil. Ouais, et pareil. Je vais pas rigoler avec cette histoire là. Donc, mettez-vous au diapason très vite là. Non, là, on est fin. Hey, vous avez le week-end. Vous avez le week-end parce que sinon, je vais prendre des dispositions différentes. Je dois reprendre le bonheur parce que je suis le seul qui veut le conduire. Il faut des trucs qu'il faut assumer. Hein, faites des trucs, il faut les assumer. Assumez-les. Je vous le dis, assumez-les parce que si vous les assumez pas, vous allez canner. Et c'est même pas moi qui vais vous canner ou même pas Mitch ou même pas. Eh, la vie, elle est bien faite. La vie, elle est très, très bien faite. Donc, vos dingueries, là, faire des trucs comme ça et tout, ça va vous retomber dessus. Un jour ou l'autre. Parce que, hein, je vous le dis, moi, il y a des petits que je connais depuis très longtemps qui voient tout, qui parlent de tout. Vous pensez, vous êtes entre vous, vous faites vos trucs entre vous, vous êtes des frères, machin, vous dites tout. Eh, les snitch, ça existe. Ok? Donc, soyez pas cons, soyez malins, faites ce qu'il y a à faire avant que moi, je fasse ce qu'il y a à faire. C'est bon, c'est clair ou pas? Oh, c'est clair ou pas, bordel? Ouais, c'est parfait, c'est 5 sur le 5. Merci. Bon, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller s'équiper. Après, si on sort, on prend tout, ça qui casse les couilles, mais bon, c'est un peu chiant de tout prendre. On va rester avec ce qu'on a là, je pense que les automatiques, c'est pas la. En vrai, les automatiques, ça rend bien pour mettre la pression, mais si il y a les cops qui arrivent. Voilà. C'était où exactement, Magie? Et ils ont dit New Jersey que ça démarrait là-bas. Concesse moto jusqu'à l'aéroport. Ouais, et 30. Concesse moto, c'est à l'ouest. Juste par curiosité, parce que sinon c'est moi qui tranche, mais qui c'est qui était chaud d'y aller là de base? À part ceux qui sont pas chauds, il y avait Gunna et Magie et le reste. Moi je suis chaud. M'en fous, moi je suis chaud. Moi je suis chaud. En tout cas, faire, on est là. Moi je m'en tape. Frère, moi je vais juste les baiser. Moi. C'est ça. Voilà, bonne mentalité ça. C'est toujours de l'argent et si on fait bien les choses, il y aura pas de flic. Il y aura business derrière. Ça y est, péter des corbillards, les frères. En mode, c'est un truc qu'on a jamais fait. Les gars, c'est juste mal au crâne le code rouge en fait, c'est tout. Les gars, c'est problème, c'est pas. Ah, la vie, c'est pas. Après, si on est pas con, franchement, les flics, ça va. Bref, on va tenter, on verra bien, on va pas se chier dessus. Qui c'est qui a pas d'armes là? Bon, on va tenter. Comme d'hab. T'as dit quoi? J'ai dit, bah, t'as demandé qui a pas d'armes, j'ai dit moi. Ah, moi non plus, j'en ai pas. Gunna, t'as donné le tien du coup? Tiens, une auto là. Il n'y a pas d'auto qui sont sortis. Il n'y a pas d'auto sorti. On va les sortir. De toute façon, si on sort, on sort tout. Par contre, c'est simple. C'est moi qui vais conduire. Je mets les pilotes et vous partez. Vous partez pas en couille. Arrête de prendre des initiatives de merde. Parce que si je vous dis on remballe, on remballe. Je vois des trucs bizarres là, je sais pas quoi. Donc, c'est moi qui décide hein, si je vous le dirai tout de suite. Si je vois qu'il y a les cops qui partent en couille et tout. Parce que problème, moi, pour moi, comme ça a été dit, les mecs en face qui arrivent à 3, la meuf, oh là là, elle. Oh, faut la canner, elle. Elle a couru devant ma. T'as vu la meuf là? Tu lui parlais son cul là? Oui. Elle a tapé un sprint devant vous pour rouler du bout, faire une G, pour taper là sa meilleure démarche, et après elle a fait la choquer en mode regarde son cul. Genre. Putain, j'ai raté ça. Ouais, c'est ça que je te parle. J'avais envie de lui tirer dessus. J'ai raté ça, je vais chercher les autos, s'il te plaît. Moi aussi, je vais lui tirer dessus. Je prends les 3 plus le tech. Ouais, prends tout, on va savoir c'est qui. Oh, tirer là comme ça. Et les munitions aussi, je pense. Prends un charge. Ouais, je vais avoir un Uzi. Ceux qui veulent un tech, demande ton pétard, ceux qui veulent un tech. Oui, moi je vais prendre le tech. Vas-y, prends. Vas-y, tiens. Le tech, quoi, on prend le tech. J'ai dit, je prends juste des kits. Donne-le. Vas-y, va. Trace, je fais ça vite. Prends ton Uzi, ton truc. Yo, les gars, moi je pisse sur le bord du mur là-bas. Faites ça rapidement, les gars. Moi, tant que j'ai un automatique,
J'ai le smile. Non, par contre, ne me verse pas de l'essence, allez, je rigolais, c'était une blague. Qui a de l'essence? Ah, 50. Oh. C'est vrai que moi j'étais bon en moto à l'époque, mais moto c'est plus un truc de petit, hein. Donc là, vu que dans ce groupe au début je jouais pas un petit. Mécano Northwood, vas-y, je rappelle, je leur dis qu'on se dirige là. Beniz, vas-y, Beniz, ok, vas-y, Beniz Northwood. En dessous du quartier Northwood, vas-y, je lui dis, vas-y. Changement de plan, Giamarlo, Beniz, ok, bah suivez-nous, Beniz en dessous du mécano Northwood. Ah oui, ils sont là, vas-y. Suivez-nous, fast. On vous attend en virage, vas-y, go. Vas-y. On fait quoi, ils vont venir au Beniz? Ouais. Gauche. Ah, j'ai pas la fenêtre ouverte, tu vois, ouf. Ils sont trop longs en plus. Dis-moi, il y a combien de temps, je le rappelle? Là, dans. On est dans 10 secondes, moi. Nique ta grand-mère. À 20 secondes. Connasse en mini, là, il y en a marre. Ouais, on est dans 10 secondes. La OG? C'est ça, non? Ouais, on est avec la deuxième voiture. Vous êtes toujours chasser? Bah, il y avait le shafter, là, Ok, ils se font chasser encore. On prépare un bloc la route. Une petite ruelle, non? Vas-y, ok, on va se préparer. On se prépare à bloc la route quand vous arrivez. Ok, ça marche. Vas-y. Celle-là, là. Mettez-vous sur les... avec moi, là, ici. Vous arrivez maintenant, vas-y. On va qu'il bloque quand ils arrivent. Ils viennent de prendre la petite ruelle, Quelle petite ruelle? Ils vont passer devant le bail. Ok, on vous envoie. Ils arrivent à droite, là, il arrive. Personne derrière. C'est pas. Vous êtes pas passé là. Ah si, vous arrivez. Vas-y, continuez. Avancez vers nous, Vas-y, go. Vas-y, go. On avance. Eh ouais. Les... Oh, ok, c'est 50, attends, c'est 50. Les gars, ouais, c'est 50 ouais, y'a quoi, ou pas ouais. Ok, c'est pas pour vous. Dégagez-le. Bah, arrachez-vous. Vas-y. Non. Débarque lui. Non. Arrête-toi. Arrête-toi mon gars, ça y'a rien, t'es bizarre. Mais puis allez, laissez-le partir, on fait notre truc hein. Vas-y, oublie-les, il voulait pas, vas-y, il s'est trompé, ça, il fait la petite bite maintenant. Nique ta merde. C'est 50. C'est 50. Tu sais que c'est des gros menteurs, ils t'ont entendu, ça nous a appelé tout à l'heure. Bon écoutez, venez voir. Ouais. Venez voir ici. Bon écoutez, je crois que on va changer certaines choses dans cette putain de ville, parce que visiblement... Déjà, vas-y, c'est des ça fatigués. Pas, ils sauvent des chasses des mecs pendant 2 heures, ils se rendent dedans, ils savent même pas qui c'est qui chasse. Bref. Tu sais qu'ils t'en ont aussi tout à l'heure. Oui, non, mais ils nous prennent pour des fils de pute. Écoutez, la mission, je m'en bats les couilles, sur la mission, là, leur mission là de oui, j'ai emmené une voiture dans le dernier, on doit mettre 20 ans à la trouver alors qu'elle sort jamais, elle est même pas à l'heure, vas-y, c'est la merde. Si on a un timing, go vers l'aéroport, on va juste faire ça. On va à l'aéroport tranquillement, parce que c'est là-bas qu'elle doit arriver à 1 heure, on est d'accord, hein, si j'ai pas de conneries. On voit si on tombe dessus. Si on tombe dessus, on la pète, tant mieux. Et après, là, c'est quoi, c'est Trinitario ça hein. Ouais, c'était pas Rollins. Voilà, eux ils vont contre un mur et ils vont me lécher les bottes à partir de maintenant. Tu vas aller à côté du concept parce qu'elle arrivera jamais à l'aéroport, hein. C'est impossible. Tu penses? Vas-y, bah go voir. Il a raison, ouais, mais vas-y, go voir. Tigur, il m'appelle. Allo? Attends, reste à côté. Allo? Mitch, viens devant le Beniz, on s'explique. Bah, on est là. Ça a paniqué. Il m'a dit, il veut te parler. On va dans l'air. Les gars, il veut discuter. C'est tranquille. Écoute, t'as vu, tu vas pas me faire croire que c'est pas au courant de ce que tu chasses quand même. Pourquoi tu me chasses? C'est pas vous, je vous chassais. C'est ça, en gros, les gars, je chasse quelqu'un, ok, en partie. C'est des flics, ça, non? Tel guider noir. Ouais, j'ai l'impression. J'ai vu tel guider, j'ai sauté sur la cible. Par remarqué, on n'a pas choisi le bowler quand on l'a vu. Bah, en même temps, le bowler, tu peux pas taper vu qu'il vous a été. Eh bah si, bref, on verra ça plus tard, mais vérifie qui c'est que tu chasses, vérifie tes infos là. Ouais, vas-y. C'est vraiment des locks, ça, c'est une... Un set de guignol, frère. Oui, vas-y, ma mère. Il y a doucement sur les insultes, déjà. C'est pas une insulte, c'est des guignols, frère. C'est pareil, t'as un gangster, tu viens masquer, t'as quoi à cacher, frère? Tu veux avoir du flow, tu veux mettre une cagoule trapstar, fils de pute. Après, vous savez très bien c'est quoi, c'est des mecs du Queens, justement. C'est des Queens, t'as vu, donc on est pas comme... C'est notre façon de faire. En vrai, on a été vifs, t'as vu, et pour nous péter, force aux gens qui veulent nous péter, t'as vu. Vraiment, on a... Grosse force aux gens. Pour le coup, ce soir-là, ça va être... Ce soir, vu la mentalité qu'on a, c'est force à eux.
Ouais, même mais ce qui me casse les couilles avec ce truc là, c'est que du coup on est forcé d'être tous ensemble en voiture là, sûr et tout. Moi j'aime bien, moi ça me fait rappeler des vieux démons. Ça, moi ça me rappelle des vieux démons justement. Ah bah ouais, mais là je bien. Moi j'avais changé depuis des années, mais t'as vu, normalement, fuck. Ils m'ont bien énervé. Hein. Naruto finalement il s'est transformé en complet, hein. Il s'en bat les couilles. Pourquoi ils sont à la droite? Par contre, le guetteur il est vif de quoi? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, on a pas un message dans le groupe, y'a rien. Non, lui il est pas de naze. Mettez-le à la retraite, faites-le en CDD. Fini le CDD. Parce qu'en plus, il veut, tu vois, quand tu veux faire. Moi demain, je veux. Tu lui dis ça. SBF, ça l'a touché, je crois, les gars. Ah, mais il est là, regarde. Ah, mais moi, j'ai l'impression que c'est fini depuis. Hein. En fait, ouais, c'est bizarre. Il y a rien. Ouais, j'ai l'impression que c'est fini déjà. Ouais, j'ai fait le tour. Tout. Y'a rien du tout. Mais y'a un entrepôt là, tu vois, juste derrière ce bâtiment là. Y'a un entrepôt. Y'en a deux même. Donc, c'est peut-être derrière ce bâtiment. Après, y'a personne là. Bah, essaye de voir. Hein, mais... Vas-y. Appelez 50 là pour savoir. Vas-y, ça stack du coup. Tu veux savoir quoi du coup? Bah, dis-lui d'appeler les Lilos pour savoir comment là, si c'est déjà parti ou pas, parce qu'on attend pour rien là. Ouais, dis-moi Big Stacks, tu veux pas appeler que vous appeliez les Lost, tu demandes à 50 pour savoir où ça en est, parce qu'on a l'impression qu'elle est finie la mission en fait. Hein. J'ai l'impression en fait on est à côté de la plate. Y'a rien. Et y'a pas un chat. Y'a même pas une Gova, c'est abusé. Vas-y, ok, ça marche, transmets à Mitch, vas-y. Il m'a dit, si t'as un numéro, n'hésite pas à les appeler. Moi j'en ai pas perso, donc si t'en as un, Mitch... Ouais, y'a que 50 il en a un. Moi j'en ai, mais c'est pas. Parce que c'est bizarre en vrai, le nom ouais, est au rond. Il répond pas en plus à la secrétaire. Ouais. Attends. What? Oh, tu l'as pas vu là. En fait, t'as vu les cops, je vous aime bien, mais rangez vos véhicules. J'en ai marre. Ils nous cassent les couilles, ils nous ont miné la ville, frère, c'est une dinguerie. Ça casse les couilles, y'a des caisses de cops partout, frère, tu peux pas rouler 200 mètres sans prendre un truc. De l'autre côté, y'a une voiture en plein milieu là. Mais tu sais que là, vous allez me faire penser que je suis fou, alors que je te jure que j'y vais encore bien. Bah, en fait, quand tu me l'as dit, j'ai fait demi-tour, j'ai cru le voir. Mais en fait, moi j'avais l'impression. En fait, il était super aplati devant et tout, je sais, enfin, je reconnais encore BR, t'as vu. Et je te jure que pour moi, c'était ça. Ah, mais c'est noir, bizarre qu'après, sur le pont, on a vu notre voiture. Oui, mais en fait. Oui, mais en fait, on s'est peut-être fait baiser par rapport à la voiture justement qui était devant en fait. Ah, Majestic m'a. Allô. Ouais, dis-moi. Nous, on l'a aperçu, il était pont. Il allait pont sur Manhattan. Ouais, il est retourné sur Manhattan. On l'a aperçu, on l'a perdu de vue parce qu'on était un peu loin sur le temps de faire demi-tour sur l'autoroute. T'as des flics d'ailleurs ? Il y a peut-être 3-4 minutes. Non. Ouais, nous on est retourné dans le Bronx au cas où. On est retourné dans le Bronx au là, cas on où. On a pas raté une bretelle. Et là, on est sur Brooklyn. Ça me suit. C'est chez nous, je pense. Non, elle ouais, est grise, c'est là où dit. Ouais. Côté aéroport Brooklyn, ouais. Ok, vas-y, on va aller là-bas. Vas-y. Ouais, c'est là où j'allais, c'est correct. Majestic m'a dit prends côté aéroport Brooklyn. Ouais, bah, je suis. En fait, je sais pas si c'est des cops derrière ou pas. Je sais pas, mais j'ai des encules, ils sont déjà. Ils suivent encore. Ouais, mais ils suivent encore, ouais. C'est des mecs en banane. Ah, j'avoue, en plus, hier, ils avaient une Audi bleue là, des Wa. Bah, ouais. C'est pour ça que je parlais de faire un truc. Ils nous suivent encore, ça nous suit encore en plus. C'est la DOA, ils vont bien casser les couilles, ils vont sortir la MP5. J'ai pas envie de parler flamand. Ah, motobiker. Ouais. Il est rentré dedans, je crois. Ouais, il est rentré dans l'aéroport, je crois. Une moto de deux devant. Ah, ok. T'as une autre shop derrière là. Ah, c'est une motobiker. Okay. Oh, y'a une caisse de flic, non, j'ai vu derrière. J'ai pas vu. Attends, non, j'ai rêvé. Y'a un autre dit, le gars, sur le parking. Ils en décollent. De toute façon, s'il faut livrer l'aéroport. Si je reviens. Tu sais que si j'ai faux, je vais aller voir un ophtalmo dès demain. Une dinguerie.
Mais en fait, quand tu me l'as dit, moi je me suis retourné et de loin j'ai vu un corbillard un peu aplati, tout ça. Oui, moi en fait, l'avant était super aplati, il y avait le gros. Après, je l'ai perdu de vue et. Et c'est ça, et après, je suis retombé sur l'espèce de fugitive là, c'était une Ouais, de fugitive. C'est une fugitive, et là, quand j'ai vu la fugitive. Mais en fait, la fugitive était trop rouge que moi, de loin j'ai vu un noir nacré rouge. Vrai, j'en suis persuadé. Ouais, moi aussi. Non, maintenant que tu le dis. C'est juste que je pense qu'elle nous a feinté sur la sortie, ou alors elle a pris à droite et nous on a pris à gauche. C'est quoi, séance de fou en plus, elle est rouge. Bah ouais, c'est ça en fait. Mais pour le coup, dès que je l'ai vu en face de la fugitive, j'ai dit non, c'est pas ça. Parce que visuellement, c'était pas ça que j'avais vu. Moi, je pense que c'est juste fait brain sur la sortie, elle a pris à droite et nous on est parti à gauche, ou je sais pas. Parce qu'en vrai, il bombardait quand même un peu ce bâtard. Il a déjà des G's. Ouais, bah. Go bouger. Ah, mais on est tous là en fait, les trois sont là. Faut qu'on bouge, ça pue. En fait, pour moi, c'est déjà livré en fait là. En fait, c'est ça que je me dis depuis tout à l'heure, on a croisé personne. C'est bizarre qu'il y ait des bikers et tout. C'est bizarre en fait qu'on croise personne depuis tout à l'heure. Même pas un mec en bécane, rien. De toute façon, il suffit juste de bloquer toutes les entrées de l'aéroport à l'arrivée. Ah, attends. Est-ce que j'ai rêvé? Attends, la rue parallèle, j'ai cru voir un truc rouge nacré là. Je sais pas si je suis bourré ou. Bourré, hein. On voit tous des dingues. Non, là en face, non. En face, oui. On l'a, appelez. Ouais. C'est bon, y a 50 là déjà. La vie de ma mère, j'ai un œil de lynx. Tranquille. Ouais, on l'a. Là, on remonte vers le Bronx. C'est bon, on roule vers le Bronx là, on se dirige vers le Bronx. Oh là là, les yeux. De l'aéroport. Les gars. Le mec, il est en futo, il est seul tout. On est sur la grande route. Laisse passer les grands, s'il te plaît. Arrête ton talum, espèce d'enculé. C'est ça, baiser, c'est sérieux. Enculé. Vas-y, bloque. Je t'ai enculé, espèce d'enculé. Et Rax, il est autoroute. Vas-y, bloque devant. Vas-y, on va taffer ensemble. De toute façon, on va prendre le devant et vous prendre le derrière. S'il va sur le pont, il est mort. Il s'est tapé. Tapé devant. Bloquez-le. Vas-y. Allez, sors, mon gars. Descends de là. Tranquille, les gars. Tranquille. Sors de la caisse, boy. Gueule, prends-le. Les clés et tout. Vas-y, un qui pilote fort qui prend. Donne les clés. Vas-y, le voleur remonte. Pas la peine d'être 42, les gars. Remontez, les gars. Écoutez, vous mettez le corbillard au milieu. Vous mettez le corbillard au milieu du convoi. Vous me suivez, la tagui. Monte dans une chambre. Passe par là, Fifi, par la gauche. Le mec devant. Attends, les gars. T'inquiète, je les attends. Arrache-toi immédiatement. Vas-y, suis-moi. Vas-y, c'est moi. Vas-y, vas-y, je me mets derrière. Vas-y, on ferme. Vas-y. Essaye de suivre. Vas-y, vas-y, on ferme. Ouais, je suis à fond, frérot. Tu bombardes, mon gars, t'es un bon. Vas-y, bombarde. Je suis à fond, les gars. Ouf, la vitesse. Les gars, j'ai eu des yeux, la vie de ma mère, j'ai jamais vu. Non, t'es bon. Mais t'as vu, c'est ça que j'ai vu sur l'autoroute, on est d'accord, je suis pas fou. Ouais, tu l'as vu. Parce que on a vu la photo et tout. Il va un peu vite devant, attends, je vais essayer de repasser. Non, il voit, t'inquiète, je pense qu'il y en a qui check. Bon, les bateaux arrivés là. Ouais. C'est bon, on arrive. Prends à droite, hein, 50, prends à droite. Ouais. En fait, la moto devrait pas être avec nous, elle devrait être derrière, justement. Non, même la moto, faut partir en reco. Hein. Il est parti où ouais, T'inquiète, c'est pas grave, avance. Continue, on reprend la bouteille. T'inquiète, viens. Ah voilà, Buffalo elle nous a pas suivi hein. Vas-y, rentre à droite. Droite. Redroite. C'est là la pause d'arrivée. Bah je crois que j'ai vu des Lost ici. Ouais, j'en ai vu rentrer aussi. Vas-y, garde-le ici, venez, on reste en stand-by, on appelle les Lost. Vas-y, mets-toi à droite là. Je renvoie la pause. Envoie la pause à tout le monde. Allô. Ouais man, bah écoute, on a ton véhicule là, on l'a garé à l'aéroport, du coup je sais pas où foutre le livret. Quelque part, si tu veux, on... Vas-y, on finit un truc, tu rentres, rappelle, c'est bon. Ça marche, vas-y, on t'envoie la position, à tout de suite. C'est bon, nickel. Putain, merci 50, hein, les yeux de lynx. Bah en gros, tu sais qu'on l'a vu, genre je l'ai vu à un Ouais, vous l'avez vu, ouais.
C'était une dinguerie, je sais pas. Vous l'avez gardé le Jizz ou pas? Y'a quoi dedans? Non, non, vous non. Avez fouillé un peu? C'est la Buffalo, c'est la Buffalo. Ah si, c'est Buffalo, je suis ouais. Par contre, les mecs venaient les documents dans les gars. Les flics nous arrêtaient, ouais, rangez vos guns. Fiché, Rax, la voiture de Rax, ils ont tapé la photo parce qu'elle suivait encore. Oui, ils ont le mec avec un gars, il y a des documents. Il y a les documents dans le coffre. Donne les tickets, on a envoyé la pose de Lost, les Lost ils vont arriver. Il a dit faut pas y toucher. Les Lost ils vont arriver, les Lost ils vont arriver. T'as la pose, c'est bon, tu l'as envoyé? Ouais, j'ai envoyé. Ouais, Mitch, l'envoie. Enlevez vos, rangez vos straps. Vas-y, mettez-les dans le fond là, allez dans le fond. On tourne un clip, les mecs. Descends. Va la poubelle, va la poubelle, va la poubelle. Enlève ton masque au passage, enlève ton masque. Chill, chill, les gars, tu le pas la 40 ans. Eh, les gars, je fais genre, je suis un caméraman. Mais enlevez tous vos masques en fait, et ce qui est la cagoule comme un con là. Je vais me couper toi. T'es qui toi? On tourne un clip. Ouais, Mitch la pose. De quel gang vous venez, monsieur? Non, tranquille. Bloc 50, Bloc 50, ça vient de 50 Boys. Ça tire le bronze. Ok, ok. Vous dominez quoi? Ah, bien vu, incroyable. Vous dominez quoi dans le Banks? C'est quoi votre revendication? Dealer. Franchement, nous on est grave des vrais G's. Et le crack, tu connaissais chez nous. Et on a tout. Ouais, et voilà. Ok. Ça fait combien de temps que vous exercez dans la street, monsieur? Approximativement 16 années et demi pour ma part. Depuis. Vous avez quel âge? Non, bon. 16 ans et demi. Donc depuis que vous êtes un fœtus, vous êtes un dealer. Oh, ouais, c'est tout pareil ça. Et... Ouais, je me souviens quand il dit là, c'était Chin là. C'était un vrai business, hein. Ça partait bien. Ah ouais? Je te jure, ouais, ça partait. Chin au crack. Ouais, oui, oui. Ok, présentez-vous tout à la gauche là, le monsieur avec la doudoune verte et la petite. La truc à la blonde Cissé, ouais, comment vous appelez? Tranquillement, tu pars. Ah mon gars, moi c'est Guna pour les intimes. Pour les intimes? Non, et pour les pas intimes, c'est comment? C'est Guna? Non. Désolé mon frère, je suis obligé de la faire. Guna, ok, vous êtes une grosse tête du blog, vous êtes qui? Moi mon gars, je suis. T'as vu, c'est au-dessus de moi, il y a son père, t'as vu. Ah, ok, je sais pas, ok. Je sais pas. Ça marche, tiens où c'est hein. Si, il y a des gens, mais t'as capté. J'ai capté, j'ai capté. On cite pas. Voilà, on dit rien, no snitch, in the buff. USB gang gang. In the buff. In the buff, man. Ok, à votre droite. Moi, je fais pas, toi t'es un gorillaz, toi reste là-bas. C'est Slim, t'es un gorillaz. Slim, le crack, le shooter du clan USB, ça fait plaisir. USB? Vous êtes dans l'informatique, bande de fils de pute. USB, parle bien de mon bloc. Ah, désolé, monsieur, je suis qu'un photographe, moi je m'y connais pas trop. C'est un bloc. Et vous, monsieur, vous êtes guetteur? Là, me casse pas les couilles. Moi? Ah, pardon, ok, salut. Désolé. Monsieur au milieu, bien habillé, Big Drip, là. Rappelez-moi votre nom. Moi, c'est Big Mitch, hein. Big Mitch. Très fier d'être un Floyd. Ouais. Et, tu connais, hein, King du Bronx. On est là, on représente le posage de couilles sur les fronts. Un peu trop à mon goût, mais on représente quand même. Par contre, il parlait de bien habillé, hein. Je crois qu'il parlait de Drax, pas de toi. Ok. Ouais, d'accord, Stax. Ton maillot de basket que t'as depuis 2004. Là, je vais ça a été là ton pantalon, il m'a été suivi. Ça y est. Ah, monsieur, bon, je couperai ça au montage. Le monsieur avec la sacoche là et le haut là. Ouais. Le haut, mon à toi, frère, t'es en haut, tu parles de là-bas. Mais moi, c'est Rax, hein. Rax. Ça vient du Bronx, ouais, ça représente le Bronx, King du crack. Mm-hmm. Ok. Tu connais, hein. Ah, c'est carré. Et ensuite, monsieur. Ah, Tiroy, les gars. Des 50 Boys, tu connais USB. Qui c'est qu'elle a été la seule? Qui peut s'asseoir à ma table, les gars? Qui peut s'asseoir à ma table? Personne. Viens, Slim, donnez-moi. Papi, tu regardes le Simon. Regardez Céline. Oh non. Hein? C'est bon, guetteuse, mec. Lance une balle dessus, s'il te plaît, Stax. Arrête. Bendo, Gorilla Gang. On savait déjà, mec vif. On a pas osé. Ok, il a du flow, j'aime bien. Quoi? Vous osez, monsieur, me lancer quelque chose sur la tête? Transition, vas-y. Transition. Fils de pute. Ok. Change-moi. Ok, très bien. Ouais, ressemble de ouf. Et qui est le monsieur derrière qui s'est fait attraper? Le monsieur derrière? Attends, il interview des gens qui se sont fait péter. Ouais, bah il y a celui qui était dans le corbillard, celui qui suivait. Présentez-vous, les gars. C'est les Jews. C'est Tilden, c'est Tilden. Mais non. Ouais, vous passez à la télé. 50 stream block. Attends, mais là. MIP revendique Jew World. Non, je désolé, attends, j'ai une vraie. Attendez, poussez-vous là, j'arrive même pas à respirer là. Je suis dans un truc là. Je comprends pas. Vous aviez volé le truc ou juste c'est vous qui étiez missionné dessus? Je sais pas, c'est un grand à moi, il me l'a dit, tiens, va là-bas et voilà, c'est tout. Hein. Va là-bas, il t'a dit. Il m'a dit, va là-bas. Va là-bas. Oh, j'en peux plus des histoires comme ça. Toujours les grands qui vous disent des trucs, vous êtes pas au courant, machin. Ah, c'est la simplicité. Hein. Ils parlent pas des grands. Mais ment mieux. Ah, moi, bizarrement, les petits savent, hein, mais vas-y, bref. Bah, tant mieux. Hein. Vous avez été payé, les boys? Tant mieux, ouais. Moi, je sais rien. Hein?
Vous avez été payé? Payé à Ougin. J'en sais rien. Le numéro de ton grand, puisque visiblement t'es au courant de que dalle, vas-y. Me dis pas que tu l'as pas, parce que là je vais te mettre un coup de machette dans tes trucs. Le numéro de mon grand? Je suis pas vraiment de grand, mais le mec au courant, tiens, je te donne. Oui, bah le mec qui est au courant, vas-y. Mitch, c'est comment tu faire ça, quoi? Quoi? T'as envoyé au. Ouais, j'ai envoyé un truc. C'est 50-50. Il est pas pressé, lui. Il finit un truc. Mais il a cru. Quoi son nom? C'est Stack. Stack? Stack? Ouh, Stack. Non. Ouais, là, je suis désolé, mais tu vas devoir changer de blaze. Hein, il va devoir changer de blaze. Ah, allo. Bah, Stax, regarde, tu vas faire la guerre avec lui. Tu vas lui faire. Ah, c'est Stax là, c'est ça? Oh, ouais, moi, c'est mon clan. Ouais, c'est. Stov, t'as l'air con. Eh, je suis au téléphone, vos putes de mer. Oh là, dealer. Ouais, excuse-moi, parce que j'ai des dégénérés avec moi. Ouais, en gros, j'ai deux petits à toi. Tu les as musclés sur un truc de corbillard, ça te parle ou quoi? Caval de trucs, c'était pas pareil. Ok, juste, t'as vu, je vais rien leur faire. Juste pour répondre à ma question. Attends deux secondes, je te rappelle. Oh. Toi, ta gueule. T'as vu? Je passe au petit. T'as vu, réinterromps-moi ta coupe. Déjà, je vais te raser, je vais te faire bouffer la poubelle, tu vas devenir aveugle. C'est bon ou pas? Interromps-moi encore, je t'éclate ton crâne, je suis pas d'humeur. C'est bon? T'as eu peur, tranquille. T'es grosse wave là. Ça y est, fatigué des mecs comme ça. Ouais, je parlais avec un intrus. Ouais, dis-moi, est-ce que t'as missionné un des petits à toi, enfin des collègues à toi pour ton histoire de corbière, ça te parle ou pas, Bocos? Vas-y, tu sais m'expliquer vite, parce que je les ai attrapés, moi j'étais missionné pour les taper, juste avoir ta version de défait, comme ça je les relâche. Ça y est, rangé. Ok, toi t'étais payé pour ça, c'est ça? Ah, toi t'étais déter dans ton micro, PH. Ouais. Vas-y, moi j'y viens. Il est au Rich. Il est là, t'as messieurs. Dites-moi comment ça s'est passé. On a avec aisance. On a vu les deux mecs derrière avec, écoute, on leur a volé. Hein. C'est ça. C'est essayer de nous taper, puis on a envoyé les petits tapeurs de là où ils viennent, là. C'est gros chouin, là. Ok. Ok, bah bravo à vous. Ça va, j'aime bien, vous êtes efficace. Yes, I. Ciao. C'est les clés, le corbillard il est derrière et t'as ce qu'il y a en face. Je crois que c'est caché, je ne sais où là. Bref. En tout cas, il y a des documents qui sont dedans, on a vérifié, on n'a pas touché, par contre, t'avais de quoi y toucher donc. Tenez comme prévu. Ouais. Du coup, voilà, c'est très bien. Bien vu. Du coup, on va revenir au petit plus que vous avez. Attends deux secondes avant que. Eh, les deux là-bas, allez dans le coin là-bas, ou virez-les, je crois. Ouais, dis-moi, je t'écoute. Avance, Bol. Vas-y, Brésil. En globalité, vous allez avoir sur votre prochaine commande. Bol. 15%. Ok, de la commande globale, du coup. Vas-y, la commande globale, oui. Plus j'en prends, mieux c'est, quoi. En gros, vas-y, ça marche. C'est ça. Après, on va quand même structurer, on va pas vous en donner, on va pas vous en vendre une trentaine, quoi. Ouais, je comprends, mais voilà. Ok, on en reparlera des détails après, mais 15%. Sur Gana, il y a ton daron qui est point sur le 4-4. Mais okay, voilà. Okay. Et vous serez priorisé, on va dire, sur nos missions, etc. Vu qu'on sait que vous êtes efficace. T'avais pas dit un business aussi? Ça, si, c'est même pas. Il y a des choses qui vont arriver pour nous. Et on vous mettra sans doute dessus. Ok, carré, bah parfait. Mais on est aussi dans l'attente, donc. Ok, bah je suis le premier dans la liste d'attente de l'attente, c'est ça, en gros? C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout à droite. Bah écoute, je pense que ça a rien de rester 20 ans à sourire dans le blanc des yeux. La mission, elle a été remplie. Pas de casse, tout va bien, j'ai matuné mes promesses, donc je vais prendre mes gars et je vais me casser. Hein. Et juste vérifier les papiers, ça peut être ouvert. Oui, je t'en prie, vas-y. Et bah c'est parfait. Ok, bon. Ça se passe pour vous? Je m'attendais à mieux que 15%. Non, tout se passe super bien pour le coup. Ok, bah tant mieux alors. Et du coup, ouais, bah, pas te mentir, les autres, bah j'ai pas te mentir, j'ai pas trop de concurrence sur l'histoire là, mais après. Là, ouais, c'est bon, ça a pas été touché. Non. Enfin, soit ils ont eu peur, soit ils étaient. Bon, enfin, c'est salope, hein, on l'avait déjà dit. Ok, bah vas-y, bah on va bouger. Hein. Enfin, ouais, bah, voilà, bah c'est parfait. Vas-y, les gars, go au bloc. Vas-y, monsieur, passe. Vas-y, c'est moi, passe pas. C'est l'autre, bonne soirée. Donne les clés à Nia. Ah, plus tard. Ça s'est tiré dessus en bas de Brooklyn. Des deux pygmées là. Ah ouais, c'est quoi ta vie? Jamais en t'es trop nul. Elle où ta moto là? Vas-y, ma sorte. Eh, je m'en prends le bus. Ça va leur faire les jambes. Vas-y, laisse les portiers. Allez, go au bloc. On habite à côté. Allez, les gars. Magic, caval. Quoi? Je suis bon dans mon domaine. Tonton, what the fuck? Ouais, papa, je sais pas. Papa, il est. Je suis bon dans mon domaine, Fui boy. Frère, arrête de te moquer, toi, t'es pas vif. Oui, d'accord. Je pense que Rax est 8 fois plus vif que toi. Mais... Oh là là.
Mais toi, ferme. Ça y est, ton palmarès, c'est de te perdre en moto. J'ai pas eu de chance. Hein. J'ai pas eu de chance, laissez-moi. J'ai pas eu de chance. Ouais. La chance n'a pas souri. En vrai, c'était facile, hein. Ouais, bah en vrai, on a c'est eu de la chance. C'est un peu trop facile, c'est en bizarre. En fait, on a eu de la chance d'avoir un timing pour le voir. Appelle Wayne le crack, t'as vu? Je vais pas oublier, moi. Ouais, tu sais que j'étais en train de penser à la même chose. Ah, mais moi, j'attendais que ça, là. T'as vu, là, on parlait, mais je me suis dit, il manque un truc et j'ai pensé au crack. Ils ont vraiment envoyé deux mecs pour le corbillard. Ils ont failli l'avoir. Non, mais je pense qu'en fait, eux, ah bon, les relais, ils ne répondent pas. Ils ont été employés, je pense, par les Lost pour le conduire, je pense. Ok, bon, les deux Rollins que j'ai, ils me répondent par un message direct. Ils sont pas là? Ouais. Mais qu'on passe là-bas ou quoi? On va passer là-bas, voilà, mais attends, je pense qu'on va aller au 7, il a dû lui donner du matos, donc on va aller le poser. Ouais. C'est comment, c'était 20k là? Ouais. Après 20k pour ça, je prends, t'as vu? En fait, ils vendent des missions gratuites. Hein. Franchement, ouais. 20k plus la réduction, machin, c'est propre. Hein. Moins 15% sur les armes, je vous dis, c'est pas mal. Hein, ouais. Après, faut faire une commande, c'est pas bloqué, braqué, global. Hein. Bah, en gros, sur un gun à 35 000, ça fait genre 5 000, je pense, je dirais. Un peu plus. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein, si on prend des mines. En vrai, faudra en faire une grosse si on la refait. Bah ouais, mais après, là, on a pas trop de liquidité là. Ouais, t'abuses, hein, y'a plus de cam à vendre déjà. C'est bizarre parce qu'hier on avait 50 000, là on a vendu toute la cam et il reste que 30 000. Y'a une couille. Hein, hein t'as... Ouais. Toi, t'as vendu toi un peu? Ouais, ou j'ai tout posé. Après, moi j'ai reposé parce que du coup, tout à l'heure j'ai pas eu le temps de tout vendre, j'ai posé 80 genre. Il y a le bus scolaire, on se fait une dinguerie avec. Fort. Ça va être incroyable ça. T'as vu, t'as le Uzi en main, quoi. Vas-y, attends, on va, je vais demander à Futim. C'est claqué, gros cheater. C'est vrai, man. Venez. Moi, je l'ai fait. Futim. Moi, je vais déjà enfiler mon pyjama. Je les ai appelés pour le crack, ils me font les mecs qui font les. Ah ouais? Ouais, t'as capté, donc là, mais t'es pas sûr, on va dans leur quartier, on leur dit de... Vas-y, on va faire ça, je vais juste poser la tuyau, on chaud, fait ça. C'est chaud, Brooklyn, ça a tiré tout. Ouais, non, j'avoue, là, ça a tiré, ça casse. Là, ça ouais, David, donne l'info, Simon, raconte l'histoire qui s'est passée là-bas. Ça tire hier. Mais c'est bon. Il est où, ça vient tirer tout à l'heure, là, tout à l'heure. Explique l'histoire qui s'est passée à Skip. De quoi? À Brooklyn, là, quand ça a tiré. Explique, les mecs qui sont dans la station de métro. C'est ça, deux mecs, deux groupes sont tirés dessus. C'était peut-être pour le queutru, tu vois, mais deux gros sont tirés dessus et j'avais peut-être vu le mec aux 13 blanches, tu vois. Je sais pas. Quel mec aux 13 blanches? Parce qu'en fait, il y a un mec qui est wanted là, t'as vu. Et les gens ils payent cher pour l'avoir parce qu'il a pouqué à ce qu'est. Vagos et... Non, c'est Shangri-La. Ah oui, Shangri-La. Okay. Donne-moi le numéro, ils ont raison, ça a tiré en fait, Mitchell. Rollins, aucune réponse, les deux répondeurs. Ok, vas-y, donne-moi comme son numéro que je l'ai au cas où t'es pas là. Et ouais, Straighter qui se faisait courser. 92-55, le Wayne là, bras droit. Et l'autre, c'est 11-25. Et c'est quoi son blaze? Donne-moi la priorité numéro 1. Hein. Mais par rapport au Trini, on va leur faire un bail comme on l'avait dit ou pas? Alors, je vous explique, vas-y. En gros, là déjà 20 000, on a 15% sur la prochaine commande, donc je vais prendre, je sais pas, 10 pétards, comme ça fera 15% de 10 pétards, ça va nous faire bien moins cher. Il va falloir charbon, vu que les pétards la dernière fois c'était environ entre 30 000 et 35 000. Imaginons, on prend, je sais pas ma calcul, c'est impossible d'acheter 10 pétards. Imaginons, tu prends 10 pétards, ça fait 350 000, on est d'accord. Tu fais 15% de 350 000, tu déduis, ça commence à descendre très vite. Ça fait 52 500. En moins, bah voilà. Bien vu, donc ça descend à j'ai mal à voilà. Bref, 298 000 quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est pas si fou que ça en fait, c'est de la merde. Bref, on verra bien. du coup, ce qu'on va faire là, déjà niveau thune, là on a 60k, c'est pas trop mal. Ça commence à monter, faut continuer à faire des thunes. Oublie pas ce que je disais tout à l'heure au niveau de ce qu'il faut faire dans le quartier. 60k avec le truc d'Ecton, on pouvait acheter 2 Isis, ça non? Oui, mais c'était seulement pour cette fois-ci. Là, maintenant, je vous le dis, l'objectif, c'est pas les automatiques. 4 automatiques, c'est largement suffisant à sortir qu'on doit les sortir. Ouais. Alors, vous allez les donner à Rich, il va aller les ranger là. Donc, donnez-lui. Envoyez-toi. Ensuite, là, ce qu'il faut, c'est qu'on ait au moins un pétard par personne, sensiblement, en termes de nombre. Donc, il en faut au moins une quinzaine des pétards. Là, c'est l'objectif. Calmion. Donc, voilà. Sachant qu'on en a déjà 6 avec 2 gosses, ça fait 8 pétards. Les glocks, tu peux les ranger avec les pétards, c'est bon, ça s'est calmé le truc là, c'est réglé. Tu peux les ranger. On pourra toujours sortir une connerie pour les glocks. Il y en avait deux, j'en ai un, l'autre c'est qui là. Ça doit être Mitch. De quoi? Le Glock? Le Glock, de toute façon, là on va les tout poser, on va les poser dans là au truc, mais tranquille, on pourra poser après, c'est pas important. C'est juste pour les autres. On va pas aller voir les trucs, les. Ils sont au sol. Ah ouais.
Ils sont au sol, les gars. Faudrait... Ça, hein. Bah, Simon, faudrait qu'il aille guetter si c'était vraiment les Rollins ou pas, mais... Bah, il avait l'air d'être convaincu, mais il est d'ailleurs, lui. Il m'a dit que c'était un straighter, et le straighter, il s'était fait poursuivre par les flics juste avant. Donc, ils se sont fait chasser depuis le dernier. Straighter, en général, c'est Rollins, ouais. Ouais. Bon, dans tous les cas, ce qu'on va faire là, c'est qu'on continue tranquillement à charbon. C'est des soirées où on prend un peu de thune à droite à gauche. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là. Dans ce quartier, il se passe des trucs que j'ai pas envie de devoir régler moi-même. Donc, faites ce qu'il faut. Parce que je vais péter ma tête un jour, ça va vous faire tout drôle. Donc, faites ce qu'il y a à faire. C'était pas trop mal. Bon, niveau concurrence, c'est vraiment des merdes. Pour les Trinitarios, ce qui va se passer. Eux là, ils m'ont fait perdre de l'argent. C'est des menteurs. Hein. Non, mais je sais pas si. Peu importe s'ils mentent ou pas, t'as vu l'excuse de ah, je savais pas que c'était toi, je m'en bats les couilles. Vous savez, cette excuse-là, ça en dirait dans la cour de récré. Donc en gros, ils sont venus me bloquer, ils m'ont bougé de ma position parce que j'ai guetté le pont. Donc à cause d'eux, c'est simple, j'ai raté le corbillard. À cause d'eux, j'ai perdu 20 000 dollars. Donc j'ai payé 20 000 dollars, ceux qui me les doivent. Enfin, terminé, ils me la ramènent pas, je les canne. Terminé, pas de discussion. Sauf s'ils me donnent un truc en échange. Donc là, c'est simple. Les Rollins, on fait quoi? Les Rollins, c'est une sorte de crack avec Mitch. Ils font les couillasses et tout, moi, tranquille. Péter, hein. Comment ça fait? Mais là, ils sont. Est-ce que vous écoutez? Vas-y, vos putes de mer, je parle dans le vide, vos putes de mer. Ta pute de mer. Ils sont à terre là. Mais non, mais ils sont au sol, Vous êtes toujours. Il y a toujours un mec qui écoute pas machin, je parle dans le vide. Je suis tranquille, Fifty, je comprends. Oh, vous me cassez les couilles, je suis tranquille là. Hein. Je suis pas énervé, je parle pas. T'as vu? T'es là, tu vas chercher ton pétard, tu vas chercher ton pétard après, pourquoi je vais chercher maintenant? Je suis en train de parler, c'est important là. Et toi, t'étais où toi? Allez, dis-moi, t'étais, vas-y. Ils m'ont appelé. Et alors, je m'en bats les couilles, c'est qui, Sean Greta? Ils te veulent quoi? Ils veulent le mec là, il paye cher, c'est pour ça. Quel mec? Qui? Quand? Quoi? Pourquoi? Un mec qui s'appelle Bene, je crois savoir où le trouver, mais ils sont équipés quoi, les mecs. C'est... On m'a demandé tout à l'heure aussi, ouais. Déjà, pourquoi t'appelles toi? T'es qui toi? Je l'ai c'est je lui réparé. C'est lui qui a le contact. Voilà, j'ai le contact, je lui ai réparé sa chop, et t'as vu, on a discuté et... Ok, ça va, je suis moins énervé du coup. Vas-y, du coup, ce qu'on va faire là, c'est que, ouais, on peut prendre l'info sur le Bene, il paye cher, toi cher. Je sais pas, il m'a dit, je vous paye bien. Vas-y, ouais, mais quand il dit ça, il donne 10 balles, en bref. Ok, Bene, c'est qui toi, Mitch? Non, justement, il y a un mec qui m'a appelé tout à l'heure, je sais pas. Peut-être un mec des Rollins. Je vais checker. Hier, Mitch, on a croisé un habitant des Netash, je sais pas quoi, il a dit, ça s'appelait Bene, c'est pas lui? Aucun souvenir. Ah ouais, après, il cherche Bobo, c'est Bene, je sais pas quoi. Ah, il y a plein, ouais. De toute façon, c'est simple. Là, c'est code rouge à nouveau, donc vous posez tous vos pétards. Je veux 8 pétards dans le truc et les 4 autres qui sont rangés par Rich. Vous sortez que si Madge ou Rich, ils vous disent de sortir. Ou vous demandez que vous pouvez sortir. Là, pour moi, c'est tranquille. Les 1h du mat, on a fait de la thune. Go garder la thune qu'on a fait, go garder le positif. Go pas repérer le truc bêtement. Si vous avez l'info du Bene, là, on verra, on ressortira. Les Rollins, demain, en plus, c'est bien, ça fait un truc à faire pour demain. Demain, vous ferez pour ce soir. Hein. Demain, Trinitarios, on va les voir, on leur demande nos 20K. S'ils ne les donnent pas, bah force à eux. On trouvera bien un moyen de nous rembourser. Hein. Et 20K, on négociera. 20K, c'est beaucoup, mais t'as capté, on négociera un truc, quoi. Ils nous doivent quelque chose, sinon je les baise. Et les Rollins, ils nous doivent combien, Mich? 200, c'est ça? Ouais, 200 de croc. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ont fait leur mission de merde avec la poudre à canon, on avait des mecs de chez eux, on a été bons princes, on a dit vas-y, on n'est pas des salopes à attendre pendant 20 ans qu'ils récupèrent un truc pour nous, on les a laissés partir. Si le mec, t'as vu, t'as eu Wayne, c'est ça ton téléphone? Ouais, il m'a donné sa parole, il m'a dit parole de, voilà. De chef. Eh, y'a rien de pire que trahir cette parole là, je préfère encore me faire couper les couilles que ça. Donc vas-y, tranquille, si ils font, ils trahissent leur parole pour. En plus, t'as vu, tu trahis sa parole pour 200 de crack, non, c'est trop. Merci Brooks, demain, merci eux, pour ils font ça, bah, je leur rentre dedans aussi, ils baissent leur mère. Tiens bon. Et voilà. Les mecs, ce soir, il y a moyen de remplir le pareil, sub d'ailleurs. Prenez l'info du Bene. N'hésitez pas, allez, poser là. Il y a de la concu hein, sur le. Donc peut-être qu'ils vont sortir ce soir. Soyez ce soir, prenez la. T'as vu, faut savoir qui c'est. Ça sert à rien de me dire, go. Trouvez l'info. Et si vous avez l'info, même en équipe réduite, vous pouvez tenter votre coup. Juste avant là, allez tout poser pour le moment. Et Mitch, viens voir deux secondes. Vas-y. C'est bon, moi je parlais me coucher. Si t'as posé ta mère, va dormir. Ouais, t'es en pyjama, va. Ok, bonne nuit. C'est bonne nuit, les Jizz. Même moi, j'y vais. Ouais, du coup. C'est bon là, t'es redescendu de 40 étages, mmh. Ça va mieux. Ouais, bon, du coup, ce qui a se passé pour ton histoire là, moi je te le dis, ça sert à rien d'essayer de courir après un démon de je ne sais qui, de toute manière, tu crois jamais qui c'est en criant sur tous les toits qu'eux. Là, je leur ai laissé un message simple. De toute façon, moi, je peux pas accepter que ça se passe comme ça. Impossible. Moi, ce que je te demande maintenant, à partir de tout ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir des réactions plus mesurées par rapport à ce truc là. Parce qu'en fait, tes réactions elles font que derrière tu passes pour le fautif de l'histoire alors que c'est pas ta faute. En gros, là, pour ça là. Donc, laisse couler. Et vas-y, j'ai les mêmes je sais que c'est compliqué de te demander ça, parce que bah, pour le coup, j'avoue, même moi, t'as pas, je serais parano. Essaye de faire confiance aux Jizz et de voir ceux justement que... Déjà, il y en a, c'est impossible que ça soit, moi je le dis là, t'as déjà des noms, tu sais que tu peux leur faire confiance. Simon, il était pas dans l'histoire, Rax, il était pas dans l'histoire, Tiro, il était pas dans l'histoire, et Marlo, il était pas dans l'histoire. Les 5 là, ils sont pas dans l'histoire. Après, le reste, ça commence à faire des noms en moins. Hein. Ouais, on verra bien. On verra bien qui c'est, mais le jour où je vais le trouver, qui s'y attendent.
J'espère qu'ils Je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire parce que, en fait, là, ils ont une chance de rester un jour en vie, c'est de m'en parler avant que ça arrive. Tu vois, s'ils font ça, il y a un monde où, et encore même pas sûr. Mais là, s'ils continuent à garder ça secret pour eux et qu'ils l'apprennent, c'est moi qui vais leur mettre une bataille. Même moi, si le mec qui a fait ça, il vient me voir, il va me parler. On verra, peut-être je le tuerai dans de moins atroces souffrances. Mais là, plus ils vont faire traîner, plus ma rage va monter. Donc on verra bien. Vas-y, de toute façon, on qu'on verra. Toi là, ne fais pas de conneries à cause de ça parce que tu pètes ton crâne. Soit ce rein. Tu sais très bien comment je suis. Bah oui, justement. Oui. Je parle pas de trucs des meurs. Bah justement, t'as trop de couilles et quand t'es énervé, t'as trop de couilles. Donc je vais pas aller tirer sur tout mon quartier. Je suis pas un trou de balle. Je veux que l'argent il monte. Bah on sait jamais. T'es, tu pètes ton crâne un jour, t'es là, t'interranges pas, tu vois. On sait jamais. Vas-y, bref, dans tous les cas, on se tient au courant. La thune commence à rentrer, c'est pas trop mal. C'est ça qu'on veut, mine de rien. Juste ça, ce truc interne là, ça casse les couilles. Faut qu'on règle ça. Et à part ça, tout va bien. Sale merde. Bref, on va voir le docteur aussi avec ta hanche là qui part. Vas-y, on scope. T'as rien sur toi, c'est bon. Non, rien, t'inquiète. Vas-y, je vais aller poser tout moi.